Tu vas voir. Je ne veux pas. Tu vas voir. Attends. Tu verras. Aide-osier, s'il vous plaît. Arrêtez. Non, maman, n'écoute pas. N'écoute pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Je vais te frapper. Non, maman, hein? Laisse-moi finir avec lui. J'ai fini avec lui aujourd'hui. Maman, maman, Edosier, arrêtez. Maman, maman, Edosier, maman, 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 tu vas bien? Maman, 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 désolé. Vous n'avez pas honte de vous? Maman, c'est quoi votre problème? Vous vous mettez toujours et à tout moment comme si vous étiez des ennemis. À votre âge, vous vivez toujours ici et vous êtes nourri par maman. Vous n'avez pas honte. À votre âge, je continue à payer vos factures et je vous nourris. C'est juste parce que c'est voyou qui me dérange. Je ne suis pas fou. Ne m'appelle plus comme ça. Je ne suis pas fou. N'est-ce pas que vos amis sont chez eux, mariés et ils ont des enfants? Hein? C'est quoi votre problème? Allez, tais-toi. Oui, tais-toi. Comme ça. Tous les deux, vous êtes mes aînés, mais vous ne vous comportez pas comme tel. Suis-je ton ami? Voyez-moi l'aîné de la famille. Quelqu'un qui est en train de chercher le respect alors qu'il ne se respecte pas lui-même. En tout cas, c'est compliqué. Avoir un grand frère comme toi. Ce n'est pas de ta faute. Maman, désolé. Maman, s'il te plaît. Maman, mais c'est quoi ça? Maman, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman. Maman, désolé. Maman, c'est bon. Maman. Maman, s'il te plaît. Désolé, maman. S'il te plaît, maman. Mais les choses doivent changer. Mettons les choses au clair, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tu es mon grand frère, et toi aussi tu es mon grand frère. Mais regardez-moi, je suis paisiblement mariée et j'ai un enfant. Je vis avec mon mari en paix. Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? Vous vous mettez dans cette maison tous les jours comme des gamins et vous attendez à ce que j'envoie de l'argent pour que vous puissiez manger et choisir ce que vous voulez. Tout ceci doit stopper. Si vous ne faites rien de bon de votre vie, maman, si je t'envoie de l'argent, ne leur donne pas à manger. Ne leur donne plus à manger, ils sont déjà adultes. Non, c'est pas grave, c'est ta faute. Je t'aurai. J'en ai marre. Tu vas voir. J'en ai marre de leur bagarre. Regarde, continuez, c'est pas un problème. Maman, viens t'asseoir. Non, continuez. J'en ai vraiment marre. Battez-vous. Êtes-vous fatiguée? Je suis fatiguée de ces deux. Je ne sais plus quoi faire, honnêtement. Êtes-vous fatiguée? Les essentiels. Je ne sais plus quoi faire. Enlève ta main de là. Maman, assieds-toi bien. Je suis désolée. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça. Je suis votre petite soeur, mais je suis calme. Vous ne pouvez pas prendre mon exemple? Toi, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Maman, je suis désolée. J'en ai marre. Tu l'as sauvée aujourd'hui. Attends. Tais-toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me dérange de cette façon. Pas, ça donnerait une très bonne leçon. Tu veux... Passez avec des leçons, trouve plutôt l'argent. Gina, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mais peu importe, c'est mon esprit qui me pousse et c'est la vérité. Hein? Maman, pourquoi essaies-tu d'aggraver ces problèmes? Pourquoi? Je ne suis pas en train d'aggraver quelque chose. Je suis en train de dresser ton chemin. Hein? Je ne sais même pas pourquoi tu fais confiance à mon mari, plus qu'à moi, ta propre fille. Pourquoi fais-tu confiance à Ifani? Parce que je ne te reconnais plus. Les comportements que tu affiches font à ce que je ne te comprenne plus du tout. Je te dis... Ma chère sœur, maman a raison, et tu le sais, tu as juste des préjugés quant à ce problème, et c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ma sœur, je vais te conseiller, comme ton frère aîné, de respecter ton mari et de lui être vraiment soumise. De nos jours, les bons hommes sont difficiles à trouver. Avec tout le respect que je te dois, Amechi, veux-tu fermer ta sale gueule puante pour l'amour du ciel? Comment oses-tu me conseiller? Toi qui n'es qu'un pauvre garçon insensé qui n'a zéro expérience en mariage. Je suis mariée depuis des années et j'ai un enfant. Que fais-tu pour vivre, dis-moi? Tu es célibataire et pauvre et tu as les kilos de me conseiller. Mais je ne te blâme pas. Si je n'étais pas venue dire bonjour à maman, tu n'allais même pas avoir l'opportunité de me parler. S'il te plaît, respecte-toi. Respecte-toi! Désolé. Mais tes frères te disent la vérité. Quelle vérité, maman? Pourquoi c'est toujours de cette façon que tu agis lorsque nous abordons ces sujets? Tu ne nous écoutes pas, tu n'échanges pas. Pourquoi? Maman, s'il te plaît, je dois partir parce que j'ai un long trajet à parcourir. Tu ne vas pas nous écouter. Il n'y a rien à écouter. Ah! Écoutez qui? Ces pauvres gens? Hey, on n'a pas d'argent, maman. Vous écoutez normal. Ça. Comme d'habitude, elle va encore partir. Mais c'est quel comportement, ça? S'il est un peu jeune, il ferait mieux d'aller trouver de l'argent. Maman, écoute, rien ne va changer.
pour tes besoins. Prends. Vraiment, tu les prends. Je crois que tu étais fâchée contre moi. Non. Oh mon Dieu. Allez, prends. Tu pensais que je n'allais pas les prendre avec ça. C'est tout ce que je peux. Et toi aussi. Ouais, on n'a pas de choix. Ok. Je dois me mettre en chemin. Maman, le sac d'Eric que je t'ai apporté ainsi que l'huile végétale, avant que ça ne termine, rassure-toi de me faire signe. Ils doivent commencer à manger 1 kilo par jour, plus question de 2. Pour avoir de l'argent, c'est très difficile, ça ne se ramasse pas. Maman, prends soin de toi, je m'en vais. Ok. Ne te soucie pas de mon mari, tu connais très bien une personne calme. À propos de ce qu'on t'a dit, s'il te plaît. Et maman, c'est comme si on n'a rien dit du tout. Si vous voulez, tu es maman. Oh, si cela vous ferait plaisir, tu es là. Maman, s'en ira. S'il te plaît. Ma soeur, rappelle-toi, je suis toujours ton frère aîné. S'en ira. Maman, tu ne dis rien là. Ma soeur, s'en ira. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Ne vas-tu pas penser à ce qu'on t'a dit? Ne vas-tu pas changer? Mais dis quelque chose, non, maman? Maman, la chose la plus importante est que tes fils commencent à travailler. Je suis mariée, j'ai un enfant et je suis très heureuse. Maman, dis quelque chose, non? Ça, c'est vraiment une insulte. Pense à propos de ce qu'on t'a dit. Il n'y a rien à réfléchir, maman. C'est à elle de trouver comment faire pour trouver de l'argent. C'est ça la chose la plus importante. Maman, c'est moi l'aîné de cette famille. S'en ira. Namdi, comment tu vas? Oui, ça va, monsieur. Et tu papa, la voiture est déjà prête. D'accord, toi, monte. D'accord, papa. Ifani, où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Arrête-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de sortir? Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Ferme ta bouche. Je vais au travail et Ikeren est déjà en retard pour l'école. Puis-je m'en aller maintenant? Juste écoute-toi. Je pars au travail et Iken est en retard pour l'école. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la liste que je t'avais laissée sur les lits? Je t'ai laissé sur les lits la liste des choses dont j'ai besoin, mon état de besoin. Et qu'as-tu fait? Tu n'as même pas jugé bon de regarder comme s'il s'agissait d'une facture d'un restaurant ou je ne sais quoi. Pourquoi tu ne m'as pas donné l'argent que je t'ai demandé? Je t'ai dit hier nuit que je n'ai pas d'argent. Dès que j'ai de l'argent, je vais te les acheter. Hein? C'est ce que je t'ai dit. Qu'as-tu dit? Oh, attends. Attends, s'il te plaît. Tu n'as pas d'argent. Pourquoi n'as-tu pas d'argent? Tant que ce mariage ressemble à une œuvre de charité pour toi, si tu savais que tu n'avais pas d'argent pour prendre soin de moi, alors pourquoi m'as-tu épousé? Pourquoi m'as-tu épousé? Maman, tu sais que je suis en retard pour l'école. Tu vois là en train de crier sur papa. Bouche. Allez, dans la voiture. Va vite là-bas. Tu fais ça, maman. C'est quoi cette affaire? Laisse-moi aller au travail. Quand j'y reviens. Je dis que tu n'iras nulle part. Tu dois me donner l'argent que je t'avais demandé. Je ne te laisserai pas partir d'ici sans que tu me donnes l'argent. Pas d'argent. Hein? Je n'en ai pas. S'il te plaît. Viens par là. Donne-moi. Tu dois me donner cet argent. Je ne te laisserai maman, pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Idiot, qu'est-ce que tu fais là? Arrête, maman. Arrête, maman. Je ne te laisserai pas partir d'ici. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux frapper? Allez, vas-y. Mais, frappe-moi. Madame. Frappe. Je ne te laisserai pas partir d'ici. Maman, tu veux maman. Frapper. Frappe-moi. Allez, vas-y, frappe-moi. Qu'est-ce qui te retient? Fais-le. Arrête, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Va-t'en. Sors de là. Idiot. Pauvre imbécile. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Fais ce que tu veux. Tu lui as déchiré les habits. Pourquoi? Iken, monte dans la voiture. Gina, tu me pousses. Tu ne me feras rien. Tu me pousses. Je dis, tu ne me feras rien. Tu n'iras nulle part. Je suis là. Tu n'iras nulle part. Si tu sors avec cette voiture dont je ne suis pas Gina, tu n'iras nulle part aujourd'hui. Foutaise. Maman, pourquoi est-ce que tu frappes toujours papa? Tais-toi, là-bas. Vite, dans la voiture. Va-t'en. Non. Ouvre-moi le portail. Je suis en retard. N'essaye pas d'ouvrir ces portails. Nacho, n'ose pas ouvrir ces portails. Oh, tu essaies de démarrer la voiture? Pas de problème. Je suis là. Pas de problème. Je ne vais pas descendre d'ici. Je suis là. Tu vas me tuer aujourd'hui. Je suis là. Nacho, n'ouvre pas ces portails. N'essaye pas d'ouvrir ces portails. Ferme ces portails. Verrouille-le vite. Nacho, tu vas perdre ton travail. Idiot. Eh? Oh, madame. Oui, madame. Ferme-moi madame. Ces portails. Qu'est-ce que tu essaies madame. De faire? Idiot. Tu vas voir aujourd'hui. Hein? Donc tu veux me tuer?
Tu veux commettre un meurtre, donc tu veux me tuer, m'utiliser pour des rituels, c'est ça? Oh, donc tu veux m'utiliser pour des sacrifices. Ok, pas de problème, va là-bas, là-bas. Oui, madame. Alors, papa, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas aller au bureau avec cette chemise déchirée, non? Je trouverai un moyen. Ok, papa. Vas-tu revenir d'abord à la maison avant que tu ne puisses aller au bureau? J'ai dit que je trouverai un moyen. Peux-tu me laisser tranquille? Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention d'être dur envers toi. Je suis très désolé. Ok, je voulais juste savoir si tu allais bien. Je serai bien. Je vais acheter un nouvel habit dans une boutique et jeter celui-ci. D'accord? Ok, papa. Je t'aime beaucoup. Je t'aime plus. Idiote! Es-tu stupide? Pour qui tu te prends? Es-tu malade? Comment peux-tu faire des bruits dans ma maison? Pour qui tu te prends? Je vais te tuer aujourd'hui! Je vais te tuer! Es-tu malade? Hein? Es-tu malade? Hein? Es-tu malade? Idiote! Stupide fille! Tu n'as pas de cerveau! Tu arrêtes! Assure-toi, s'il te plaît! Je vais te tuer cette fille, Gina! Allez, disparais de ma vie, pauvre idiote, et arrête de pleurer comme un bébé! Disparais de ma présence! Tu pleures comme une lâche! Une fille insensée! Qu'est-ce que ça? Ma soeur vient t'asseoir, bienvenue! Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qu'est-ce qu'elle a pas fait? C'est ça la question! Cette fille commence à me nuire dans ma propre maison! Oui, et je dois mettre fin à sa folie! Mais tu l'as déjà fait! Presque à ma soeur, tu sais quoi? J'avais demandé à cette stupide fille de m'aider à laver mes habits blancs! Elle a pris mes habits blancs et les a lavés avec les habits rouges. À présent, ça a changé de couleur. Qui peut faire ça, Prisca? Malade, c'est ce qu'elle est. Qui peut faire un truc pareil? Mais mon ami, pourquoi tu ne la vires pas de ta maison? J'ai essayé de le faire à plusieurs reprises et mon mari refuse toujours. Je vois. Tu sais, ma chérie, garde tes yeux sur tous les mouvements de ton mari. Hein? Becky, laisse-moi te dire un truc. Quoi? J'ai vu ton mari aujourd'hui en train de faire l'imaginable. J'ai vu ton mari en train d'embrasser et de caresser une fille dans son travail au parking de véhicule. Hein? Oh mon Dieu. Ne laisse pas abuser de toi. Ifani, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Donc tu veux dire que tu as vu mon mari en train d'embrasser et de caresser une fille dans le parking de son travail? Mon ami, je ne pouvais croire à mes yeux. Oui. J'aurais dû voir comment il le faisait. Je me suis dit, cet homme est fou ou quoi? Sérieusement. Te rappelles-tu de comment tu m'as dit qu'il t'est trompé? Je ne pouvais le croire. Aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Hey! Ifani! Ifani aura de mes nouvelles aujourd'hui. Il n'y aura pas de paix dans cette maison aujourd'hui. S'il revient, je lui donnerai du feu. Il verra. Ifani! Ma chère, c'est maintenant que tu dois agir. Avant qu'il ne t'affecte avec des maladies sexuellement transmissibles qu'il aura contractées dehors. Eh non, on ne sait jamais. Hey, c'est vraiment incroyable. Oui, c'est ça. Imagine. Désolée. Hey, mon gars. Quoi de neuf, mec? Oh, rien de grand, rien de grand. Oh, sérieux, je suis très content de te voir. Écoute, Mathilda vient de quitter le bureau. Sérieux? Et je crois fermement que ce contrat, nous l'aurons. Hey! Ça c'est bien, honnêtement, mec. Je suis très impatient de voir cela. J'ai toujours prié pour ça à chaque instant. Tu vois, hein? Nos chances sont très élevées parce que son entreprise croit tellement en nous. De quoi d'autre on est en train de parler? Ça a été résolu. Moi, je suggère à ce que nous puissions d'abord nous focaliser sur ce problème pour que ce ne soit pas quelque chose qui puisse nous prendre trop de temps. Non, 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 non. L'audit sera prêt avant la signature du contrat.
Ouais, le magnifique cabinet d'Audi me l'a déjà assuré, donc il n'y a pas d'inquiétude. Ah, tu vois maintenant. Franchement, j'adore cette vidéo, mon cher ami. Je suis impatient de ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, quoi de neuf, mon cher? C'est comment à la maison? Comment va la famille? Ça va à la maison? Obioma, ne pleure pas. Hein, arrête de pleurer, c'est bon. Je te fais dit de ne pas prendre à cœur tout ce que la patronne te fait. Elle est juste comme ça. Je n'avais rien fait de mal. Elle m'avait donné quelques vêtements pour nettoyer. Et il y avait des habits blancs qui étaient mélangés avec ceux d'autres couleurs. Et elle a commencé à me frapper pour ce que moi je n'avais pas fait. Oh Dieu, mais c'est bon. Hmm? Notre patronne est un être impossible. Mais il faut que tu supportes parce que tu sais pourquoi tu es venu ici. Hein? N'eût été le problème de la vie que nous avons, personne d'entre nous ne serait ici dans sa maison. Honnêtement, je suis fatiguée de tout. J'ai envie de partir, non? Tu dis que tu veux déjà partir. Où veux-tu même aller? Est-ce que tu as un endroit où partir, Obioma? C'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît. C'est bon, ne pleure plus. S'il te plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Beau-frère. 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 Gina, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mon fils. Maman, regarde comment il jette mes affaires. Regarde comment il jette mes affaires. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ça? Maman, vas-y, parle. Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Beau-frère. Maman, je t'ai ramené ta fille en paix. J'ai fini avec cette méchante Jézabel. Tu ne peux pas te fatiguer. Nous l'avions dit lors de la cérémonie du mariage, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Tu ne peux pas te fatiguer. Répartons en ville, on y va. Si tu oses monter dans cette voiture, maman, tu verras de quel bois je me chauffe. Beau-frère, calme-toi. Tu veux oser? Non, non, violence conjugale, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne peux pas rester. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens avec toi. C'est quoi? Ouvre-moi ce portail. Qu'est-ce qui ne va pas, Gina? Dis-moi. Que j'ouvre le portail. Maman, je ne sais pas. J'en ai fini avec elle. J'en ai fini avec elle. Ce n'est pas le mariage, ça. Ce n'est pas le mariage, ça. Je vis en enfer avec cette pute. Gina, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas. Hein? Il s'est réveillé soudainement. Il a pris mes affaires. Il a mis ça dans la voiture. Il m'a dit de venir avec lui. Maman, j'ai toujours été une bonne femme pour lui. J'ai toujours été Alors pourquoi est-ce qu'il a ramené tes affaires? Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien. Demande-lui. Jésus. Oh. Mon Dieu. Que ceci n'arrive pas. Gina doit se corriger. Et ça sera seulement si elle m'écoute. Elle doit m'écouter. Hein? Je dois la voir. Je dois voir Gina. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dois voir votre sœur. Je continue toujours à avoir ces mauvais rêves. Je ne comprends pas du tout. Je crois que c'est la préméditation de quelque chose. Oui. Maman. Mais tout ça veut dire quoi vraiment? Votre sœur est captivée par des distractions. Elle doit réparer certaines choses maintenant. Maintenant. Mais maman, jusqu'à présent, tu n'as encore rien dit. Oh, qu'est-ce que je ne lui ai jamais dit? Tu me dis que je ne dis rien de sérieux. Qu'est-ce que je ne lui ai jamais dit?
qu'elle doit être humble et respecter l'homme que Dieu lui a donné. Hein? Je ne comprends pas où est-ce que Gina a reçu cette étudesse. Je ne comprends pas. Maman, ce n'est même pas demandé. Ce n'est même pas demandé. Tout ça fait de notre défunt père, maman. Quoi? Oui, elle n'écoute vraiment personne. Anochi, tu ne peux pas parler du mal à un mort. S'il te plaît, papa est déjà mort. Il est déjà parti. Laisse-les reposer en paix, s'il te plaît. Mais je ne fais que dire la vérité. Quelle vérité? Est-ce que ce que tu dis Allez, est une vérité? Dégagez de ces lieux. Maman, je ne fais que dire la vérité. J'ai bien dit, sortez-vous d'eux. Mais maman, moi, je pense... Oya, partez. Ça c'est toi. Tu es juste en train de chercher des problèmes. Respecte-toi. On verra bien. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Dégagez. Tchai. Aïe, Gina. Bienvenue, mon amour. Merci, ma chérie. Dis-moi, comment vas-tu? Oui, ça va. Très bien. Et toi? Stressant comme toujours, mais c'était quand même magnifique. Hey, t'inquiète. Maintenant que tu es de retour, je vais me rassurer que tu te reposes paisiblement. Oh mon Dieu! Pour quelle raison pourrais-je cesser de t'aimer dans ce monde? Je n'arrêterai jamais de t'aimer, mon bébé. Je t'aime aussi. Chérie, la table est déjà dressée. Va aux installations, prends ta douche. Une fois fini, tu viens profiter de ta nourriture. Et après la table, tu vas aller au lit. Je vais moi-même m'occuper de toi. Tu sais. Écoute, laisse-moi te dire. Même dans un autre monde, je te choisirai toujours comme ma femme. Tu le dis, oui, tu n'as pas je de choix. Je n'ai pas le choix. Écoute, moi de même, dans ma prochaine vie, je vais me rassurer que tu sois toujours mon... Au fait, dans ma prochaine vie, dans mon monde à venir, tu seras toujours mon mari. Ok, je dois aller à l'intérieur maintenant. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, je reviens tout de suite, ok? Chérie, que je vienne. J'arrive. Nacho! Nacho! Mais où est ce stupide portier? Nacho! Oui, madame. Mais pourquoi tu me laisses crier? Es-tu sourd? Madame, désolé, je n'avais pas entendu. J'étais derrière. Oui, allez, j'étais tais-toi. Derrière. Va verrouiller ces portails. Madame, que je verrouille le portail? Tu m'as bien entendu. Verrouille la porte et apporte-moi la clé. Je veux dire deux clés. Fais vite. Pas seulement là-bas, et de l'autre côté aussi. Voici, madame. Mais madame, qu'est-ce que je vais dire au patron quand il sera là? Comment je ferai pour leur ouvrir? Oh, c'est vrai. Tu dois leur donner une raison. Approche que je te dise quelque chose. Que je vienne? Viens que je te dise ce que tu lui dirais une fois qu'il sera là. Si mon mari te demande, hey, dis-lui hey. Que je t'ai giflé et je pris la clé. Hey, madame. Foutaise. Hey, pourquoi elle me tape comme ça? Hey, ce n'est pas normal ça. Je suis fatigué. Fatigué de tout ce que je vis ici. Ah. Le patron de retour... Qu'est-ce qui ne va pas avec Nacho? Pourquoi n'ouvre-t-il pas le portail? Oh, pourquoi ne vas-tu Dieu. Pas ouvrir la porte pour lui, non? Ah, je veux lui dire que madame a pris la clé. Ok, vas-y alors. Patron, bon après-midi, monsieur. Vas-tu garder tes salutations et m'ouvrir le portail? Patron, il n'y a pas moyen que je le fasse parce que madame a pris la clé du portail. Nacho, tu vas bien? Vas-tu aller prendre les clés et venir m'ouvrir le portail? Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Ah! Mais pourquoi est-ce que maman a pris les clés? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir en faire? Je ne comprends pas. Elle savait qu'on revenait, pourtant elle a retiré les clés du portier. Je ne comprends pas.
Madame, j'ai besoin de la clé parce que le patron est déjà là au portail. Il faut que j'aille la clé pour ouvrir. Ferme ta bouche. Disparais de ma vue. Va lui dire de m'appeler au téléphone. Es-tu sourde ou quoi? Non, madame. Mon ami, disparais, sors de ma vue. Va-t'en. Désolée, madame. Pars. Ok. Eh oh, reviens, ramasse ça. Ok, prends cette saleté et va mettre ça dans la poubelle. Stupide garçon. Quand il sera prêt, il m'appellera au téléphone. Sinon, il restera là-bas jusqu'à l'année prochaine. Papa, j'ai vraiment faim. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Et je vais faire popo. Ne t'inquiète pas, quand on entre, tu vas manger. Hmm? Pas. Pourquoi est-ce que tu as l'air si sûr? Tu sais bien que maman ne cuisine pas pour nous. Mais tu m'as l'air si sûr. S'il n'y a pas de la nourriture, je te trouverai quelque chose à manger. Ok. Patron? Vraiment désolé, mais madame ne veut pas me remettre la clé. Pourquoi? Quel est le problème? Lui a-t-il dit que je suis ici avec Iken, non? Oui, je l'ai fait. Mais il dit que vous devriez l'appeler au téléphone. Oh, je vais faire popo. Quoi? Pourquoi nous garde-t-il encore dehors, papa? Je vais l'appeler au téléphone. Oui, qu'est-ce que c'est? Gina, quel est le sens de ce drame que tu incarnes? Es-tu prêt à confesser tes péchés? Confesse tes péchés et j'ouvrirai le portail pour toi. Qui est cette femme que tu as embrassée au bureau? Et qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu n'es pas prêt de confesser, n'appelle plus jamais mon numéro. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Elle a raccroché. N'importe quoi. Papa. Aïe. Je vais faire popo. Wow. Quel magnifique couple! Ils sont heureux. Quand je vais me marier, hein, je voudrais que ma famille soit exactement comme ça. Malgré le fait qu'ils n'aient pas d'enfants, mais ils sont heureux et toujours en paix. Waouh! Allez, mon garçon, viens. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Ça va, champion? Je vais bien. Mon frère, le drame a commencé. S'il te plaît, mon fils a faim. Oh, il n'y a pas de souci. Je lui donne à manger. Viens manger, chérie. Je ne sais pas ce qui arrive à cette femme. Allons à l'intérieur, mon gars, s'il te plaît. Viens, entrons. C'est quel genre de manière avec cette femme? Comment est-ce qu'elle peut refuser à son mari et son enfant d'entrer dans leur propre parcelle?
la parcelle qui appartient d'ailleurs à l'homme. Ah, Jésus, ça c'est totalement injuste. Ah, c'est grave. Sais-tu que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que cet homme est toujours très très sérieux. Il accepte toutes ces bêtises, il n'arrive même pas à réagir. Oh, Bioma. Il faut savoir que notre patron est une bonne personne. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup la paix. Aussi, il aime beaucoup sa femme. Nous ne pouvons rien faire pour elle. Mais comment est-ce qu'il peut continuer à aimer une femme comme celle-là? Sais-tu qu'elle ne mérite pas un homme de bon cœur comme notre Oga? Tout ce que je sais, c'est qu'elle prend plus qu'assez. Et juste un jour, elle va se réveiller, elle va réaliser que tout va vraiment basculer. Que ces jours arrivent très vite. Parce que cette femme ne mérite pas quelque chose de très bon. Ça viendra. Je prie. Ça viendra. Que cela arrive vite. Allez, tiens. Mange, bébé. Mon chéri. Ok, bon merci appétit. Beaucoup, tantine. Dieu purifie et bénisse cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est bon? Oui, tantine. Régale-toi. D'accord. Puis-je t'apporter à manger? Non, je vais bien. Merci. Cela n'a aucun sens du tout. Je veux dire, comment a-t-elle pu t'acquiser de la sorte? Mon frère, ça fait partie des choses auxquelles je fais face chaque jour. J'ai innocemment embrassé Mathilda avec l'enthousiasme que nous allons obtenir le contrat. Je ne sais pas comment ma femme me surveille, moi. Écoute, Ifani, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas. Sérieux, tu dois faire quelque chose à propos de ça. Elle doit apprendre à se contrôler en tant qu'une femme. Non, franchement, je dois parler avec elle. C'est quoi son problème? Comment elle peut agir ainsi? Comment elle peut empêcher son mari et son enfant d'accéder non, à la imagine. Maison? Mon amour, laisse-moi appeler Gina. Oui, aucun problème. Attendez-moi un instant. Allô? Salut Prisca, comment vas-tu? Ton mari et ton fils sont ici. Peux-tu imaginer que ce fou est en train de nier tout ça? Il est ici en train de nier. Quand bien même que je l'avais vu. Ma chérie, t'inquiète pas, il n'a encore rien vu. Je vais m'occuper de lui. Bien, j'aime ce que tu le fais subir. Ma chérie, merci d'être toujours là pour moi. Il n'a encore rien vu, je t'assure. Bien, mais j'ai quand même donné à notre fils la nourriture pour manger. C'est vraiment gentil de ta part, merci. Merci. Ah ah. Pas besoin de me remercier. Et pourquoi sommes-nous amis? N'est-ce pas que c'est pour nous entraider? Merci pour avoir pris soin de lui. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi. Il n'y a pas de souci, de rien. Laisse-moi aller voir ce qu'Ikin est en train de faire. Laisse-moi aller voir s'il a fini de manger. D'accord, bye. D'accord, bye bye. Hey, Ifani. Tu auras de mes nouvelles. Folle que tu es. Une sage-femme sait réunir sa famille dans l'unité. Mais des folles comme toi les renversent de leurs propres mains.
Macho, ouvre les portails pour ces pauvres idiots. Tu vas? Qu'est-ce que tu pars saluer? C'est ton mari? Dégage la pauvre idiote! Disparais! Je ne veux pas te voir! C'est pas ton mari! Pars à la maison! Disparais de ma vue, idiote! Et où crois-tu aller comme ça? J'ai délibérément demandé à Nacho d'ouvrir les portails pour toi pour que tu puisses me donner des explications claires concernant la fille que tu embrassais et touchais tendrement hier dans le parking de ton travail. Gina. S'il te plaît, je te supplie au nom de Dieu. J'en ai déjà eu assez. Laisse-moi entrer me reposer. Aller où? Où crois-tu y aller? Je ne vais pas te laisser entrer jusqu'à ce que tu me dises qui est cette femme. Tu crois que je n'allais pas le savoir? Tu crois que je n'allais pas le découvrir? La Bible dit, je serai devant toi et derrière toi. Et je veillerai sur toi. Et regarde maintenant, comme enfant de Dieu, Dieu ne veille pas seulement sur moi, mais il veille aussi sur mes propriétés, toi y compris. Alors, qui est la femme que tu as embrassée hier? Qui est cette femme, Ikem? Ikem, qui est-elle? Dieu, Nacho, s'il te plaît, ouvre le portail. Tu dis quoi? Tu n'iras nulle part. Donne-moi ça. Donne-moi cette clé. Tu ne sortiras pas d'ici. Ina, voilà, tu es fou. Ifani, tu ne sortiras pas d'ici. Gina, qu'est-ce que... Tu ne sortiras pas de cette maison, je ne vais pas te le permettre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi ne puis-je pas avoir un moment de paix dans ma maison? Ok, je t'ai laissé la maison, pourtant tu ne veux pas me laisser sortir. Non, ça n'a rien à voir avec la maison, mais plutôt ce que tu étais allé faire. Tu avais quitté bonnement la maison pour aller ton t-shirt avec ta petite amie et tu te donnes à ce que je fasse quoi? T'applaudir ou te féliciter? C'est vraiment à ça qu'il t'attendait? Tu dois vraiment être fou. Gina, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, donne-moi les clés. Arrête. Oh, tu veux me brutaliser pour prendre la clé? Écoute, ne me provoque pas, ne me cherche pas. Oh, tu es toujours là? Tu veux ouvrir le portail? C'est ce que tu veux faire? Tu veux ouvrir ce portail? Idiot! Quel est ton problème, Gina? Essaye de le faire. Ne me provoque pas. Ne me cherche pas. Donc, après avoir fait tout ce que tu voulais avec ta petite amie, vous êtes embrassé, vous êtes entiché, je te demande à ce que je puisse t'embrasser, tu dois sûrement être malade. Regarde-toi. Tu es malade. Je risque de te trouer l'œil. Foutaise. Oh, Gina. Qui a récupéré la classe de ses noms? N'importe quoi. Oh, Gina. Oh, Dieu. Patron. Gina, mon Dieu. Madame, monsieur, vous saignez. Attendez, je vais trouver quelque chose. Hey. Ifan, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? As-tu connu un accident ce matin? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony, pourquoi cette chose appelée mariage m'est si injuste? Pourquoi, malgré mes efforts d'être un bon mari à la femme que j'ai aimée et épousée, tout ce qu'elle fait, c'est de me faire passer par des tortures et des peines? Donc c'est Gina qui t'a fait ça. Attends, Ifan, c'est Gina qui t'a fait ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement chez cette femme? Je vis en enfer dans cette maison. Anthony, je vis en enfer dans cette maison. N'est-ce pas chez toi que mon fils et moi avons passé la nuit? Je t'ai rentré ce matin et cette femme a commencé à se battre avec moi. Honnêtement parlant, Ifani, ceci n'est plus du tout drôle. Non, ceci n'est plus du tout amusant et tu dois prendre des mesures très sévères à propos de ceci. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas lever la main sur elle. Je ne ferai jamais ça.
Je ne peux pas être compté parmi les hommes qui se livrent à la violence domestique. Dis-moi, est-ce qu'elle est en train de te faire à toi? Comment allons-nous appeler ça? Non, la romance domestique. Vas-y, réponds-moi. Ifani, combien de temps va-t-il te falloir pour que tu comprennes que cette femme n'est plus du tout bonne pour toi? Combien de temps? Regarde mon visage. Regarde mon visage. Ah. La femme que j'ai épousée m'a fait ça. Ouvre bien ces portails-là, ouvre bien. Bienvenue, beau-frère. Ouais, maman. Elle est à l'intérieur. Maman? Maman? Mais elle est où? Viens, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, Ogo. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Maman, c'est Gina qui m'a fait ça. C'est la femme que j'ai épousée qui m'a fait ça. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ça, c'est pas bon. Rentrons dedans. Viens. Maman, ça me dépasse. Ça me dépasse. Oh. Ça, c'est notre sœur. Ça, c'est notre sœur. Je ne comprends plus rien. À tout moment, il est toujours en train de comme une tigre. C'est notre sœur. À tout moment. Elle se bat toujours contre son homme. Gina, as-tu perdu tes sens? Comment pouvais-tu interdire à ton mari et ton enfant d'entrer dans la maison? Tu es possédée par quel démon? Aucun démon ne me possède. Je suis plutôt guidée par le Saint-Esprit. J'ai demandé juste des explications auprès de mon mari. Maman, à ce que je sache, je suis la femme d'Ifani et pas sa bonne ou son esclave. Et il n'y aura pas de paix dans cette maison jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Je le mérite. As-tu oublié que le mariage, c'est la patience? Et en essayant d'exercer cette patience, on fait toujours face à plusieurs problèmes. Et ce n'est pas une chose qu'on peut faire en un jour. C'est tellement difficile. Maman, s'il te plaît, épargne-moi ces adages. Je ne suis pas prête pour ce genre de choses. Regarde-moi très bien, maman. Je mérite le bonheur. Je mérite la paix. Maman, prends le temps de me regarder. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Dis-moi, ne suis-je pas belle? Pourquoi est-ce que mon mari ne peut pas bien me traiter? Je mérite la paix, le bonheur et être chouchoutée. Je ne suis pas prête d'échanger cela. Je vais être heureuse tous les jours de ma vie. Et je ne serai pas d'accord avec tout ce qui me rend triste. Au détriment de ton mariage. Gina, est-ce que tu es en train de t'amuser avec les émotions d'un mort, monsieur? Dieu qui t'a donné un don comme celui-là. Un homme qui a apporté de la lumière dans cette famille. Et alors, qu'as-tu apporté dans cette famille? La honte, l'embarras et la pauvreté. N'est-ce pas que tu es assez vieux pour ramener la lumière dans une autre famille? Tu n'as pas honte de toi? Il a ramené la lumière. Attends que je te porte une correction. Ifani n'a pas ramené la lumière dans cette famille. C'est moi qui ai ramené la lumière dans sa famille en lui donnant un garçon, sans pour autant aller consulter des différents pasteurs. Tu crois que c'est facile? As-tu déjà été dans une salle d'accouchement? Je suis une mère. Accorde-moi un minimum de respect. Il a ramené la lumière.
Oh, parce qu'il m'a épousée, donc je deviens une chose à ses yeux. Je dois me donner un esclavage à lui? Oh non, ça ne va pas marcher. Nous nous sommes mariés pour être des partenaires et pas des esclaves. Ah. Tout ce que nous te demandons, c'est de respecter ton mari. Sois un ambassadeur de paix, un constructeur, une conservatrice, un partenaire, une femme qui apporte les solutions pour d'autres personnes. C'est ça. Maman, il aurait voulu. Oui, il aurait voulu. Je ne savais pas que c'était pour ça que tu m'avais appelé, pour dire vrai. Si je le savais, je n'allais pas venir. Parce que j'ai beaucoup de choses importantes à faire. J'ai pas le temps. C'est pas de votre faute, mais celle de mon stupide mari qui est venu jusqu'ici pour se plaindre. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari puisse être aussi commère. En venant jusqu'ici pour vous raconter de bêtises concernant notre mariage. Nous sommes censés résoudre nos différends en tant que mari et femme. Et pas faire appel à tout le monde pour qu'il vienne me parler. Pour que je sois une bonne femme. Et tu attends qu'un homme reste calme quand les choses vont très mal. Tu attends qu'il meure en silence. Jeune dame, est-ce que tu es consciente que tu es en train de détruire la vie de ces messieurs? Tu penses que c'est tout le monde qui supportera tes bêtises? Et tu penses qu'il va se calmer? Non, il a vraiment raison de s'exclamer. Gina. Gina, corrige tes pas. Gina, corrige tes pas maintenant. Un mot est suffisant pour un sage. Corrige tes pas maintenant. Ok. Maman, je suis belle. Je mérite l'amour et la paix. Alors, je n'échangerai cela avec rien au monde. Donc, mon mari doit apprendre à me traiter comme une reine et me choyer. Sinon, il n'y aura pas de paix. Et elle fait même des photos. Je ne suis pas en train de prendre une photo, mais plutôt en train de filmer. Mais malheureusement, je ne peux filmer une pauvre chose comme toi. Maman, elle dit que je suis Dieu. Mais c'est ce que tu es. Moi, l'aîné de la famille. Tais-toi, Okem. Hey. Le fils aîné qui n'a pas d'argent. J'aurai de l'argent et tu me verras bien. Ok, très bien. Ah, bro. Bro, es-tu en train de dormir? Est-ce qu'il va bien? Sûrement, il est très fatigué. Es-tu sûr? Très sûr, Ifani. Est-ce que ça va? Je suis désolé. Je vais bien. Sincèrement, tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Attends une minute. Tu veux dire que tu es passé par tout ceci juste à cause de moi? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi et comment elle me surveille. Ok. Je vais aller jusque chez toi pour m'expliquer si cela coûterait ta paix. D'accord? Oui, je pense que tu devrais vraiment faire cela. Ça pourrait peut-être nous aider. J'en suis sûr. Êtes-vous sûr qu'elle n'incarnera pas encore son drame? Aie confiance. Nous tiendrons une conversation entre femmes. Je dois le faire. Oh, Seigneur des anges, je suis désolée. Je suis désolée. Ok, désolée. Obioma! Obioma! Madame! Dois-je d'abord crier très fort avant que tu ne répondes à l'appel? Madame, vous m'avez appelé. Désolée, j'étais en train de... Tais-toi et passe-moi la télécommande. D'accord, madame. Disparais. Ah. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Vous à l'aise. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Gina, comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue. Voici Mathilda. Ouais, la dame dont tu m'accuses.
Intéressant. Ifani, je dois vraiment féliciter ton courage. Tu as le culot de ramener ta pétasse dans mon toit conjugal. Donc c'est arrivé à ce stade, n'est-ce pas? Excusez-moi, madame. Je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Je suis Matilda Harcourt, la fille de Chief Harcourt, le DG de la grande compagnie de construction. Je crois que ça vous donne une idée de ce que je suis. Elle a demandé de me suivre ici afin de pouvoir te libérer l'esprit de tout ce que tu pourrais y cacher. Sérieusement, madame, je suis choquée de la manière dont vous traitez votre mari. Votre mari est une bonne personne. Vous avez une belle âme comme mari. Je ne sais pas pourquoi tu le traites de cette façon. Sachez que ce n'est pas du tout bien pour une femme. Ce qui est choquant et très décevant, c'est de voir une prostituée venir jusque chez moi pour me dire comment traiter mon mari. Pardon? Tu m'as bien entendu. Ifani, ça a l'air d'un film. Donc tu as ramené à la maison ta stupide petite amie pour qu'elle vienne m'enseigner comment prendre soin de mon mari? C'est ça? Et toi, Anthony, tu gardes silence? J'avais oublié que vous étiez des oiseaux du même plumage. Et toi? Estime-toi heureuse, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, j'allais te décorer avec de l'eau bouillante. Ne remets plus jamais tes pattes dans cette parcelle. Disparais d'ici, fais vite. Veuillez m'excuser. Ai-je dit quelque chose de mal? N'est-ce pas que j'essaie juste de la conseiller comme une bonne femme? Ah. Hey! Ifani. Ifani. Tu es dans la merde. C'est très sérieux. C'est quel genre de femme avec qui tu vis? Mes chers, c'est ça ma croix. Chérie, regarde ça. Regarde. Babe. Hmm? Tu avais dit que Gina est ton amie d'enfance, n'est-ce pas? Oui. Il y a un problème. A-t-elle toujours été comme ça? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, a-t-elle toujours été si toxique et insupportable? Mon amour, sincèrement, si je t'ai dit que je ne suis pas surprise, ça serait un mensonge. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Au fait, elle était calme et très très douce. Oui, je ne sais pas d'où elle prend tout ceci. Tout ça est vraiment inimaginable. Mon meilleur ami est en train de vivre un enfer étant sur Terre. Cette fille n'est vraiment rien d'autre à part une espèce de démon envoyé du plus profond de l'enfer pour le détruire. Chérie, ton ami est très fort. Il est vraiment encouragé. Il est très fort. Je me demande comment il vit avec cette folie. Comment? Quelqu'un doit absolument dresser cette fille. Parce qu'elle n'arrête pas d'agir comme une chienne enragée. Très vrai. Très vrai. Oh. Mon beau fils. Nam. Je t'ai appelé ici pour discuter de ce que tu vis avec ma fille. Ça m'attriste le cœur. Je ne comprends même plus le genre d'être qu'elle est. Cela me dérange aussi.
Honnêtement, je suis dérangée tous les jours. Voilà pourquoi je l'avais appelée autrefois pour que nous discutions. Et qu'est-ce qu'elle a dit le problème était avec elle? Parce qu'honnêtement, je ne comprends pas son comportement. Nos gens disent que lorsqu'un homme tue son ami, il cherche toujours à enterrer ses corps pour éviter le soupçon. J'aimerais te supplier pour quelque chose, s'il te plaît. Peu importe ce qu'elle t'ait fait, pardonne-lui pour le bien de ton fils, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie. Belle-mère, je t'ai entendu. À ce que tu saches à mon sujet, tu peux affirmer que je ne suis pas un fauteur de troubles. Tout ce que je veux, c'est la paix dans mon foyer. Est-ce que c'est trop ce que je demande? Je sais que tu es un homme d'intégrité. Voilà pourquoi je veux que tu gères bien ce dossier. Fais-le très bien. Comme ça, la paix va régner. S'il te plaît, je suis tellement fatiguée de parler tous les jours. Je suis fatiguée de la conseiller. Résous ça, s'il te plaît. Je désire la paix. Ok? S'il te plaît, fais-le pour moi, ok? D'accord. Merci. Et Baba, il a quoi? Tout va bien? Papa, bienvenue. J'ai très faim. Je n'ai rien mangé du tout depuis que je suis revenu d'école. Pourquoi? N'y a-t-il pas de la nourriture ou bien ta maman n'est pas là? Elle est bien là, mais elle n'a pas préparé comme d'habitude. Ça ne peut pas continuer. J'arrive. Bon retour, chérie. Comment était ta journée? Pourquoi il n'y a pas de nourriture pour Ikenna? C'est pour ça que tu n'as pas répondu à ma question. Je t'avais demandé comment était ta journée. Gina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment est-ce qu'une mère serait à la maison et son enfant aurait faim quand il y a assez de nourriture dans le magasin? Ifani, tais-toi. As-tu un handicap? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne peux-tu pas faire la cuisine pour ton fils? J'ai juste dit que je suis fatiguée et j'ai pas la tête à faire la cuisine. Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Sais-tu à quel point tu as l'air stupide? Je veux faire semblant de n'avoir rien entendu. Tu commences vraiment à être irrespectueux. Si tu n'étais pas mon mari, j'allais te donner une très bonne gifle. Parce que c'est ce que tu mérites. Mais pourquoi m'insultes-tu? Juste parce que j'ai dit que j'étais très fatiguée pour faire la cuisine? C'est ça la raison? Je me demande le genre de mère que tu affiches à la société. Non, continue à manipuler ton téléphone. Écoute. Si tu veux manger chaque minute et chaque seconde dans cette maison, tu dois te trouver une bonne. Qui sera prête à faire ces sales boulots pour toi et pas moi? Je suis ta femme, Ifani. Je fais la cuisine quand j'en ai envie. Et quand je n'en ai pas, je me fais belle, je prends soin des moi. Oh, que la domestique nourrisse ton fils pour toi. Quand ton fils est censé être ta priorité. Continue à manipuler ton téléphone. N'importe quoi. Ton fils. N'est-ce pas que c'est ton fils aussi? Nourris-le. Fais la cuisine pour lui.
Bébé, est-ce que tu vas bien? Je ne me sens pas en forme, j'ai comme envie de vomir. Ah, depuis le matin. Et tu ne me l'as pas dit depuis? Ok, nous devons aller voir le docteur Chinedo. Je pense qu'il doit être à son bureau à cette heure-ci, ok? Mon amour, arrête. Ce n'est pas si grave que ça. Ça va aller. Ah, non, pas du tout ça, ma chérie. Ok, nous partons à l'hôpital immédiatement. Attends, d'ailleurs, je vais l'appeler juste pour l'informer. Ok? Ça va aller. Doucement, 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 doucement. Un bébé. Oui. Sérieux, c'est la meilleure des nouvelles que je n'ai jamais entendue dans ma vie. Je suis très heureux. Tu m'as rendu fier. Gloire à Dieu. C'est lui le faiseur de miracles. Enfin, je serai appelée mère. Et je vais bientôt être appelée papa. écoute, nous allons vraiment célébrer ceci d'une façon très stylée. Je suis en train de penser à organiser une toute petite fête. Non. Non, 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 chérie. Non. Non. Pourquoi? Écoute, gardons cette nouvelle pour nous-mêmes. Les gens sont méchants. Ils sont tellement méchants que tu ne peux croire. Méfie-toi des souris que les gens te donnent. Tu ne connais pas les cœurs de l'homme. Je pense que tu as raison. Comme ça, nous dirons seulement à nos proches et c'est tout. Célébrons notre statue. C'est celle qui envoie des chansons. Oui, je serai bientôt appelé mère. J'ai l'impression qu'il dort. Non, ici, ici. Merci infiniment, merci mon cœur. Tu me rends l'homme le plus heureux du monde. Bénis cette nourriture, Père, et sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, la nourriture est prête et personne n'a jugé bon de m'informer. Je n'avais pas su que Sa Majesté avait besoin d'une invitation spéciale de la part de la BBC avant de manger la nourriture qu'elle a refusé de préparer pour sa famille. Alors pourquoi n'as-tu pas appelé ta femme? Pourquoi ne lui as-tu pas dit que la nourriture était prête pour tout le monde? Hein? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Tu sais que j'adore ces repas et surtout quand c'est pimenté. Et... Ah. J'espère que c'est délicieux. Très délicieux. Très délicieux. Chérie, tu as bien cuisiné. J'adore. Et tu le dis sans avoir honte. Je ne comprends pas. C'est ce que je devrais dire en mangeant ta nourriture. Mais non, dans cette maison, c'est plutôt le contraire. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal si j'apprécie ce que tu as cuisiné? Tu m'as demandé si la nourriture était délicieuse. Je t'ai dit oui. Quel mal y a-t-il? C'est moi qui dois toujours faire la cuisine. Ne sais-tu donc pas que c'est romantique si un homme cuisine constamment pour sa femme? Je sais que tu ne comprendras pas cela parce que naturellement tu n'es pas romantique. Écoute, personne ne dit que c'est mauvais pour l'homme de cuisiner. Mais dans cette maison, c'est moi qui travaille et paie toutes les factures. Et tout ce que toi tu sais faire, c'est t'asseoir et gaspiller mon argent. Mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je me fais belle pour toi. Se faire belle n'est pas du tout facile. C'est pas facile comme les gens s'imaginent. Et si quelqu'un d'autre cuisine, tu t'assois et la manges. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Même si notre personne prépare, tu vas toujours manger. Pourquoi ne dois-je pas manger? De grâce, permets-moi de savourer cette nourriture, s'il te plaît. Où est-ce que tu as mis ton téléphone? Prends les images et publie sur Facebook, Instagram et partout que c'est toi qui as préparé ce que nous mangeons. Permets-moi de manger calmement. Quand tu auras fini, prends la mienne et mange-la aussi. Laisse-moi manger dans ce cas. Aïe! I am so glad that Jesus loves me. Eh oh, Jesus loves me. Oh, Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Oh, Jesus loves me. Loves you. Hey! I am so glad. Hey, 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 hey. Es-tu sourde? Qu'est-ce que c'est?
Non, madame. Veux-tu transformer ma maison à une église? Non, madame. C'est quoi ce bruit? Jésus t'aime, et tu continues à être pauvre et misérable. Non, madame, je suis juste heureuse. Et j'avais décidé de danser, madame. Très intéressant. Tu es oui, juste madame. Heureuse. Vraiment? Oui, madame. C'est bien. Madame, pourquoi es-tu heureuse? Pourquoi es-tu joyeuse? Hein? Pourquoi es-tu joyeuse dans ma maison? Dis-moi. Réponds. Pourquoi es-tu joyeuse? Allez, lève-toi, lève-toi. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Je vais juste te donner une leçon. Alors, pourquoi es-tu heureuse? Dis-moi, es-tu joyeuse parce que ta famille est pauvre et misérable? Non, madame. Es-tu joyeuse parce qu'ils sont sans emploi et au village? Non, madame. Non, madame. Désolée, je ne veux allez, plus le répéter. Allez, écoute-moi. Écoute très bien. Ok, madame. Que ce soit la première et la dernière fois que tu chantes et mettes les bruits dans cette maison. Ne dérange pas ma paix. Ok. Je suis désolée, attends, madame. Attends, s'il te plaît. Pourquoi portes-tu une perruque dans ma maison? Tu veux séduire mon mari avec ça? C'est ce que tu veux? Désolée, allez, madame. Lève-toi, pauvre idiote. Eh oh, écoute, madame, écoute, tu as intérêt à ne pas oser, parce que si tu le fais, je vais t'enterrer vivante. Ok, madame. Un instant. Hein? As-tu appliqué de la poudre blanche au visage? Oui, madame. Oui, madame. Pourquoi? Ok, madame. Mais qu'est-ce que tu as au juste? Mais pour qui tu appliques la poudre? Écoute, dans cet navire, je suis la seule capitaine. Je sais, madame. Il n'y a pas d'autre capitaine. Oui. Tu es venue ici pour travailler comme bonne. Donc, tu dois t'habiller et te comporter comme telle. Oui, madame. Regarde-moi. Regarde-moi bien quand je te parle. Qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que tu mettes la perruque dans ma madame. Maison. Je ne le ferai plus jamais. Maintenant, va dans la douche. Ok, prends madame. De l'eau et lave le visage. D'accord, enlève tout ce que tu as mis comme beaucoup. Poudre. Stupide fille. Merci, madame. Je ne veux plus entendre cette chanson. D'accord, madame. Eh oh! Mais où est-ce que tu vas? Non, non, madame, je suis mon visage. Je t'ai demandé de déposer cette chose et d'aller te laver le visage avec de l'eau. Ça veut dire quoi, tu essuies ton visage? Allez, reviens, reviens vite. Tu dois être stupide. Pourquoi tu essuies ton visage dans ma salle à manger? Dégage. Une villageoise insensée. Vous ne voulez pas me coller la paix dans ma maison? Tu crois que tu veux venir chez moi et commencer à t'habiller comme la reine Elisabeth? T'inquiète, je vais te donner une leçon. Oh, Bioma! Viens changer de chaîne pour moi! Foutaise! Tu n'as encore rien vu. T'es vraiment chanceuse. Bébé, s'il te plaît, je t'en prie. Tu as sépuré comme ça. Je t'en prie, arrête. Pourquoi moi? Je ne sais pas pourquoi c'est toujours moi. Pourquoi? 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 Je suis déjà au 20e fausse couche durant toutes ces 8 années de notre mariage. Pendant que les autres femmes accouchent sans problème. Ça va aller. C'est vraiment pénible, je sais. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu ne dois pas quand même te tuer, ok? Ça va aller. Ce n'est pas de ta faute. Arrête, je t'en prie. J'ai besoin d'avoir un enfant. J'ai rien de plus qu'un bébé. Je vais prouver au monde que je suis réellement une femme. Je sais. Pour prouver au monde que je suis une femme, juste un enfant, même un bébé. Ça va. Mes amis en ont déjà plus de 2. Et qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Je vais avoir mes propres enfants. Chérie, s'il te plaît, arrête. Je veux un enfant, moi également. Ok? Tu n'as rien du tout à prouver au monde. Je suis ton monde. Et je sais bien que ce n'est pas de ta faute. Alors, je t'en prie. Calme-toi. Ok? Je t'en prie. Mon cœur est brisé. Je le Mon sais bien. Mon cœur est brisé. J'en ai marre de toutes ces fausses couches. Je ne demande pas beaucoup. Allez, juste fort. Un enfant. J'en ai envie juste un, chéri. Tu l'auras, mon sucre d'or. Juste tu un enfant. Ne fût-ce qu'un bébé. Laisse-moi prouver au monde que je suis une femme. Ça va aller, ça va aller. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste, Slave mon toi. Dieu. Calme-toi, ok. Je t'en prie, arrête. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Prisca, ma chérie, je suis très désolée. Je peux comprendre ce que tu ressens maintenant. Je sais que ce qui t'est arrivé n'est pas du tout facile. Seul Dieu peut te réconforter et tu toucheras le fruit de tes entrailles. Mais tu dois être forte, ma belle, ok?
Gina. Gina, j'avais espoir que cette fois-ci, ça allait marcher. Mais ça finit comme toujours. Ça va aller. Écoute, ma chère sœur, tu auras ton enfant. Quand et comment, je ne sais pas. Mais je sais une chose, Dieu va te bénir avec les enfants. Tu dois juste être forte pour que cela puisse arriver. Ok? Hein? Ok? Ok. Elle est toujours là? Oui, tu veux parler de ma bonne? Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là? Mais servir. Ah, Gina, Gina, mon amie, tu ne chéris pas ton mariage. Hein? Oui, écoute, sa présence dans cette maison, c'est un danger pour toi. Allez, Prisca, je veux dire, Richard ne va pas descendre aussi bas au point de sortir avec une simple bonne. Non, ce n'est pas possible, arrête. Gina, tu m'étonnes. Gina, tu ne connais pas du tout les hommes. Te rappelles-tu de la fille avec qui je l'ai attrapée? La fille de son bureau. Ah, je crois que tu t'étais trompée. Parce que la fille en question était venue jusqu'ici avec mon mari et a dit qu'elle n'avait rien à voir avec mon mari. Et tu les as crues? Hey! Hey! Gina! Gina, tu es ignorante. Gina, ils ont joué de toi. Sais-tu que cette femme est la maîtresse de ton mari? Hein? Oui! Dis-moi, comment ils ont pu avoir ce contrat qui les a permis de travailler ensemble? Écoute, ton mari couche avec cette femme. C'est pourquoi il arrive à gagner tous ces contrats. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça. Il sort juste pour te dire qu'il n'y a rien entre eux. Et tu le crois? Quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Gina, Gina, Gina. Allez, sors, va-t'en. Sors de chez moi, je ne veux plus te voir. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en de chez moi. Je pas loin. Sors de ma madame, maison. S'il vous plaît, chut, madame. Pitié. Non, Jean. Viens, viens, je n'ai pas de famille, madame. Mais là, où aller, s'il vous plaît? Et ferme le portail. Je ne veux plus jamais la voir. Arrête de me toucher. Madame, que je l'ai entendu. Veux-tu que je puisse le répéter? Fais la sortie d'ici. Non, madame, non, non. Oh, donc tu veux perdre ton travail? Non, madame, c'est pas ça. Viens, 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 viens rentrer à la maison. Vas-y, viens. Madame, s'il vous plaît. Lève-toi. Va avec elle. Hé, ramasse bagage. Ramasse. Madame, s'il vous plaît, fais pitié. Merci. Merci, mon ami. En tout cas, j'apprécie. N'importe quoi. Avance, s'il te plaît, avance. Je vais perdre mon travail, s'il te plaît, avance. Ne t'inquiète pas, ok? Mon Dieu. Oh Dieu, calme-toi. Hein? Laisse-moi te demander un peu. Qu'est-ce que tu as fait à la patronne pour qu'elle te chasse de la maison aussi subitement comme ça? Je ne lui ai rien fait. Elle m'avait demandé d'apporter la boisson pour son ami. Et lorsque je l'ai fait, elle m'a suivi juste dans comme la ça. Chambre pour prendre mes affaires. Je ne comprends pas. Tout ça signifie quoi? Hein? Tout va bien, hein? Obioma, c'est bon, arrête de pleurer. D'abord, je ne veux que tu n'ailles nulle part. Hein? Tu vas juste rester ici jusqu'à ce que le patron revienne du travail. Je suis très sûr qu'il va vraiment arranger ça. C'est bon, arrête de pleurer, hein? Ne pleure plus, arrête de pleurer. Hey. Ma chérie, tu vois ce que tu viens à peine de faire? Tu viens de prendre une très bonne décision pour ton mariage. Elle devait partir d'ici. Prisca, Ifani devra s'expliquer aujourd'hui devant moi.
il a eu le culot de ramener sa copine dans cette maison. Et cela en ma présence. Mon ami, les hommes. Les hommes sont terribles. Hein? Ma sœur, ouvre grandement tes yeux. Gina, ouvre tes yeux. T'inquiète, il n'y aura plus de bonne dans cette maison. Très bien. Ne vois-tu pas comment j'ai vu? Est-ce que j'ai une bonne? Non! C'est pour sécuriser mon mariage. Je ne veux pas du tout avoir de problème. Tu as raison, ma sœur. Il n'y aura plus de bonnes dans cette maison. Et si Ifani ose ramener une dans cette maison, je vais étrangler cette personne. Ah, je te fais confiance. Pas besoin de me le dire. Je sais ce que tu peux faire. Ma chérie, laisse-moi aller chez moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup pour tes conseils et tes encouragements. Mais qu'est-ce que je ferai sans toi? Mais pourquoi sommes-nous amis? Oh, merci beaucoup, merci. Ah, ok. Laisse-moi t'accompagner. Obioma, qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Madame m'a frappée, elle m'a chassée. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne lui ai rien fait. Elle m'avait demandé de servir la boisson à son amie. Je l'ai fait et juste après, elle m'a suivi dans ma chambre pour me demander d'emballer mes affaires et sortir. Juste comme ça? Elle l'a fait ensemble avec son amie. C'est de la folie, ça. Attends ici, j'arrive. La fille là t'a fait et tu l'as bâti comme ça, lui a demandé de quitter la maison. Je ne dis pas que c'est pour cette raison que tu as quoi comme chien. Je lui ai demandé de partir parce que ses services ne sont plus désirés dans cette maison. Tu vois, quelquefois je me demande si vraiment tu es normal. Parce que tu es cette femme paresseuse qui ne peut rien faire dans la maison. Et tu es cette même personne qui a besoin d'être domestique pour t'aider à faire les travaux domestiques. Et tu renvoies celle-là. Est-ce que tu es normal, Gina? Obioma. Monsieur. Laisse le sac derrière et viens devant. D'accord, monsieur. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener chez ta sœur. Ok, monsieur.
Mon Dieu. Donc Obioma est vraiment parti. Juste comme ça. C'est quel genre de femme méchante comme ça? Hein? Comment un homme aussi bon peut avoir une femme aussi méchante? Oh mon Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît. Ne me laisse pas croiser une telle Jézabel dans ma vie. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît. Méchante femme. Mon amour. Ifan est un ami très fort. Il vit l'enfer. Hey, j'ai pitié de ce jeune homme. Le cas de Ifan commence sincèrement à me ronger. Mon chéri, si tu avais vu ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu savais ce que j'ai vécu aujourd'hui, tu sais que j'étais allée voir Gina pour la mettre en garde par rapport à son comportement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir ce qui s'est passé? Je l'ai trouvée en train de battre sa bonne. Elle a jeté elle et tous ses bagages dehors. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle doit avoir un lien avec son mari, Ifagne. Ifagne que je connais ne peut jamais faire ça. Tu t'expliques vraiment? N'est-ce pas que je les connais? Il ne veut pas faire un truc comme ça. Il ne le fera pas. Jamais. Exact. Gina est terrible. Sa maison devient inconfortable pour son mari. Elle se fâche à tout moment pour des choses qui ne sont même pas fondées. Elle doit être qualifiée de sécurité. Madame Sekiriko. Sincèrement, je prie toujours pour Ifagne chaque jour. Le fait de se marier à Gina est assez pour un homme de commettre un suicide. Exactement. Ah. Tu vois, chérie, moi je suis pacifique. Je te donne la paix, la prospérité et une longue vie. Je ne suis pas une trouble faite. Et je ne me plains pas de ça. Oui, bénis Dieu de m'avoir comme ta femme. Bénis Dieu. Mon chérie, amour. Merci infiniment de m'aimer. J'ai pris d'être un vrai bonheur pour toi. Gina. Gina. Bien, Ifani, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi hurles-tu? Pourquoi cries-tu, mon nom? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Gina, tu n'as rien préparé. Pourtant, tu as renvoyé la fille qui cuisinait dans la maison. Ifani, ne me dis quand même pas que c'est à cause de ça que tu as gâché ma paix. Parce que je vais sérieusement me mettre en colère. Gina, es-tu un diable? Quel genre de démon es-tu? Obioma était la cinquième domestique que tu as renvoyée de cette maison. Pourtant, tu es si paresseuse, tu n'arrives pas à cuisiner, tu n'arrives pas à laver tes propres habits, tu ne laves pas les miens, ni ceux d'Ikena. Gina, quel est ton problème? As-tu fini à jacasser? Si tu as faim, va dans la cuisine et fais-toi quelque chose à manger. Alors écoute et écoute attentivement. Que ceci puisse être la dernière fois que tu viennes déranger ma paix. J'étais assise là-bas tranquillement, en train de suivre une série télévisée très intéressante, avant que tu ne viennes m'interrompre avec tes bêtises. Où est-ce que tu penses que tu vas? Comment oses-tu? Es-tu malade? Ça, c'est parce que tu es un insensé, un stupide, paresseux. Tu ne peux pas cuisiner toi-même? Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Allez, approche, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la question? Maman? Oui? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de prendre soin de nous? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de prendre soin de nous comme toutes les femmes? Es-tu vraiment une bonne mère? Tais-toi! Allez, approche, approche! Ton père t'a envoyé pour que tu viennes me poser cette question, n'est-ce pas? Non, allez, disparaît de ma vue. Il ne l'a pas fait. Va vite dans ta chambre. Que ce soit la dernière fois que tu me poses ce genre de questions. Dégage! Hé, reviens. C'est par là, ta chambre. Ah ah! Bêtise. Voyez-moi cet idiot. Pourquoi tu ne peux pas être une bonne mère? Ah ah ah, je suis un mauvais père. Sais-tu combien j'avais souffert dans la salle d'accouchement, idiot?
foutaise. Ifani. Ok. En tout cas, mon cher, la fois passée tu es venu, aujourd'hui tu es venu encore, nous parlons d'un même sujet. Sérieusement, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec notre sœur. Je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. En toute honnêteté, ça me fatigue et me frustre chaque jour. Maman, attends un peu. Mmh. Oui, donne ça à maman, elle va s'asseoir. Mmh. Maman, assieds-toi ici. Mon beau-fils, s'il te plaît, je continue à te supplier. Supporte tout ça juste pour un moment. Oh, s'il te plaît, je t'en prie. Je vais appeler ma fille Gina et je veux parler avec elle. Je suis sûre que ça va changer cette fois-ci. Tu as entendu? Maman, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais endurer ça. Pouvez-vous imaginer la dernière fois on se disputait? C'était juste de simples disputes. Gina m'a giflé. Non, ce n'est pas vrai. Hey! Quoi? Elle t'a vraiment giflé? Hey! Gina a soulevé sa main et t'a giflé? Non, 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 ça c'est une folie totale. Beau frère, écoute un peu. Comme maman l'a bien dit, nous allons plus tard lui parler, s'il te plaît. Et pour cette fois, elle doit nous écouter. S'il te plaît, apaise-toi. Mon fils, s'il te plaît. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Je ne veux pas que ces derniers se moquent de nous. Comme je viens à peine de le dire, comme je t'ai promis, je veux l'appeler ici et je vais parler avec elle, s'il te plaît. Mon fils. Oh? Ah non. Ça doit vraiment changer ça. Pas de problème. Ah, Gina. Non, c'est grave. Gina. Il faut que ça change. Hey, Gina. Ah. Gina. Où est-ce que tu as appris cette attitude que tu affiches? Pourquoi refuses-tu de préparer pour ton mari et ton enfant? Maman, c'est pour ça que tu m'as appelée. Maman, je suis fatiguée de ces réunions à répétition, que je danse à réunion, que je bouge à réunion. De toutes les façons, il n'est pas ton mari. Mais qu'est-ce que c'est, maman? C'est pas comme si je ne cuisinais pas pour lui. Je lui avais servi de la pâte. Et il n'y a aucun inconvénient avec ça. Après tout, mon mari n'est pas infirme, il n'est pas handicapé. Si je ne peux pas faire la cuisine, il peut tranquillement aller à la cuisine, faire quelque chose à manger et venir nous servir. C'est comme ça qu'on fait. Non, mais s'il te plaît, est-ce que tu t'es déjà entendu quand tu parles? Ou alors tu te rends compte des mots qui sortent de ta bouche? Non, mon frère, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Non! C'est pourquoi elle dit des choses stupides comme une personne qui a perdu la tête. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai bien dit, tu dis des Qu'est-ce choses... Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'était quoi ça? Maman! Anetia, elle ne m'a pas laissé le choix. C'est un manque de respect. Elle ne peut jamais me faire ça. Je suis l'aîné de cette famille. Elle ne peut pas me faire ça. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est bon. Calmez-vous. Non, 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 pas jusque-là. Soyez le courage de gifler ton frère aîné. Calmez-toi. Ton frère aîné. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit, ça suffit. C'est bon. Maman, c'est parce que je suis pauvre. Ça suffit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce que je suis pauvre. Tu te permets de me manquer de respect parce que je suis pauvre. Amechi, tu as eu les kilos, les toupets de mes gifler. Ok, pas de problème. Je vais t'accuser à mon mari. Maman, tu es là, n'est-ce pas? Tu es là, n'est-ce pas, maman? Pendant que ton stupide fils, ton vaurien de fils a eu les kilos d'élever sa sale main sur moi. Et tu n'as pas réagi. Pas de problème. Gina. Tout homme sur cette terre qui gère très bien sa colère sait toujours agir au bon moment. Assez avec tes adages. Ok. Assez avec tes adages, maman. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Je te demande, qu'est-ce que je fais de mal? Juste parce que je ne vais pas cuisiner? J'ai pas de force et j'ai pas le temps pour cuisiner. Qu'il m'accorde un peu de temps pour prendre soin de moi. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile avec ça? Tu aurais dû me dire bien avant que tu m'aies invité ici pour m'insulter et permettre à ton idiot de fils Amechi de m'insuffler. Et je crois que tu ne cherches pas à échapper à ces sujets pertinents. Pourquoi est-ce que tu rends ta maison comme l'enfer pour un homme qui ne t'a rien fait, qui cherche juste ton bonheur? Pourquoi? Est-ce que tu vis avec nous? Comment peux-tu être sûr qu'il n'a rien fait de mal? Comment tu témoignes des histoires que tu ne connais pas? Maman, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas du tout ça. Dresse ton chien. Dresse ton chien.
La force que tu as utilisée pour me gifler, si tu l'avais mise au travail, tu allais être dangote en ce moment. Mais tu ne peux pas. Regarde-toi, un homme stupide. À ton âge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison. Tu ne peux jamais me faire ce que tu fais à ton mari. Non, Gina, c'est moi l'aîné ici. Toi, pendant qu'il fait encore jour. Gina, ces ténèbres que tu te crées toi-même. Si quelque chose t'arrive, il serait mieux que tu changes maintenant. Change maintenant pendant qu'il fait encore jour. Je vais m'occuper de toi. Je t'enseignerai une leçon que tu ne seras pas prêt d'oublier. Tu ne travailles pas, donc tu ne peux pas t'offrir un avocat. Sois prêt. Je vais me rassurer que tu finisses en prison. Je dois partir d'ici. Parce que je suis pauvre. Et là, tu vas où? Nous allons bien voir. Vas-y, viens me mettre en prison. Gina. Elle dit que je suis un chien. Le premier fils de cette famille. Maman, parce que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe avec ma petite sœur? Maman, cette fille a vraiment dépassé les bornes. Chai. Nacho. 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 Où est ce gars? Nacho. Nacho. Oui, monsieur. Quel est le problème? Oui, monsieur, je crie à ton nom depuis. Désolé, monsieur, j'étais très occupé derrière. Et tu n'as même pas nettoyé la voiture. Madame m'a demandé de faire quelque chose, alors c'est pourquoi je voulais d'abord... Ouvre-moi le portail. Ah, oui, Iken. Iken. Oui, papa, j'arrive tout de suite. Ah, qu'est-ce que tu retenais? Papa, je suis désolé, papa. J'étais en train de chercher les stylos que j'avais perdus hier soir. Et tu l'as trouvé? Oui, papa, je l'ai très facilement retrouvé. Tu sais que j'ai des yeux de serpent. S'il te plaît, monte dans la voiture, ce garçon. Hein. Oh, nous sommes en retard. Oh. Papa, chérie, tu veux partir de la maison sans me donner l'argent que je t'avais demandé? Quel argent? Et pourquoi tu as besoin de l'argent? C'est quoi cette question? Je suis une femme, j'ai beaucoup de choses, j'ai plein de besoins. Tu vois pourquoi je t'ai dit de te trouver un travail? Afin que tu arrêtes de dépendre de moi pour tous tes besoins. M'as-tu déjà trouvé un? Et j'ai dit non. Désolé, madame, désolé. Il a des ouvertures dans mon entreprise. Je peux t'en trouver une maintenant même. Donc, tu veux que je commence à répondre, monsieur, madame, à tous ces idiots de ton entreprise? T'inquiète, chérie, je vais travailler. Une fois que tu vas ouvrir ta propre boîte, je serai la manager. C'est ça la place qui te convient. Tu vois le problème? Tu n'es pas seulement paresseuse, mais tu es aussi arrogante. Je ne sais pas comment expliquer le genre de femme que tu es. Une fois que tu aurais fini d'insulter ta femme, tu lui donneras l'argent qu'elle avait demandé. Je n'ai pas de liquidité. Je te ferai un transfert arrivé au bureau. Es-tu sûr? Je dois m'en aller. Allez, passe une belle journée, bébé. Oh, reviens par là. Tu veux aller sans faire un câlin à maman? Oh, désolée, maman. Je t'aime aussi, maman. Écoute, dis à ton papa de me donner de l'argent, ok? Ok, d'accord. Bonne application, chérie. Au revoir, maman. Papa, maman a dit que je devrais te dire de lui envoyer de l'argent. Mon ami, avec toute honnêteté, tu as une mine absolument horrible. Tu vois, Anthony, il n'y a rien de bon à dire au sujet de mon foyer à cause de cette femme. Tous les membres de ma famille m'évitent. Ils les saoulent par sa paresse et ses mauvaises attitudes. Comment peut-elle continuer d'agir ainsi? Hey, pardon, oh. Mais... mon gars, tu es absolument très fort. Donc tu n'as pas cessé d'endurer pendant tout ce temps, tout en gardant ta sérénité intacte. Mon frère, que veux-tu que je fasse? Tu vois, j'ai appris assez tôt que le mariage
est comme un colis. Donc, quoi que tu vois en l'ouvrant, tu prends. Honnêtement, je ne suis vraiment pas du même avis que toi. Le mariage a été fait pour savourer et non pour endurer. Comme tu peux le voir, je n'arrête pas de savourer chaque jour mon foyer avec ma femme. Le voilà encore. Tu vois, Anthony, tu es chanceux. Dieu t'a donné une femme. Mais dans mon cas, le diable m'a emballé un couteau au lieu d'une femme. Écoute, je dois m'en aller. J'ai fait un arrangement pour une nouvelle domestique. C'est amusant, mais j'ai besoin de quelqu'un dans la cuisine. Alors, je dois aller prendre la petite fille maintenant. Hein? C'est d'accord. Je te verrai demain dans ce cas, ok? Ok, pas de problème. J'apporterai les papiers du contrat en bas. Je les apporterai en partant. Ok, c'est parfait. Je vais les arranger. C'est d'accord. On se verra plus tard. Je te rejoindrai bientôt en bas. D'accord. Salut, mon chéri. Maman, bon après-midi. Comment était ta journée? Ma journée était parfaite. Est-ce que ta maman t'a manqué oui, aujourd'hui? Oui, bien sûr, maman. J'espère que la journée était bonne. Oui, la journée était parfaite. Madame, bon après-midi. Bienvenue, chérie. Bon après-midi. Merci. Va à l'intérieur. Va te rafraîchir. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Sois les bienvenus. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est quoi cette chose? Marie, la nouvelle domestique. Je m'attendais à ce que tu dises Marie, la mère du Christ. Et avec la permission de qui? Qui tu as ramené une autre bonne dans cette maison? Je te demande! Écoute et écoute attentivement. Cette pauvre, misérable, sale, oh Seigneur, elle pue. Elle ne restera pas ici. Si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, sors de cette maison tout de suite! J'ai pas compris. À qui appartient cette maison, si je peux demander? Je ne te comprends pas du tout. Elle ne restera pas dans cette maison! Gina, je vois que ton chômage a affecté ton sens de raisonnement et de la cohabitation. Ne me tente pas. Va à l'intérieur. Tu ne peux rien faire, pourtant tu ne veux pas laisser quelqu'un le faire pour toi. Attendez. Hein? Hey! Hey, Ifa! Hey! Ifani! Ifani, tu me provoques! Si tu insistes qu'elle reste ici, ça va mal se passer entre nous! Ça va mal se passer! Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Tu crois que je vais accepter que tu ramènes l'une de tes stupides prostituées à la maison au nom des bonnes? Ça va mal se passer entre nous! D'accord, je te reviendrai. Passe une belle journée. Où est cette stupide fille? Marie? Oui, madame. Viens. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je nettoie la cuisine, madame. Ça fait longtemps que tu as commencé à nettoyer la cuisine, n'est-ce pas? Désolée, madame, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la cuisine. Ferme-moi cette bouche puante. Qu'est-ce que tu insinues? Que ma cuisine, elle est sale? Non, madame. Je suis certaine que de toute ta vie, tu n'as jamais vu ce genre de cuisine. Stupide fille. Désolée, madame. Désolée pour ta misérable vie. J'ai faim. Je crois que j'ai besoin de manger quelque chose. Alors, va me faire le banane plantain, un peu de salade et l'œuf bouilli. Désolée, madame. Il n'y a plus tout ça dans la cuisine. J'ai juste fait quelque chose pour mon gars et Junior. Tu dois être stupide. Tu dois vraiment être idiote. Tu avais fait les restes pour Oga et Junior. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Désolée, madame. Tu ne sais donc pas où ça se vend? Désolée. Ok, madame. Reviens ici. Pourquoi portes-tu ces gens des babouches dans ma maison? Étais-tu venue ici pour un défilé de mode? Je suis désolée, madame. Enlève ça vite. Ton bracelet, enlève. Tu n'étais pas venue ici pour une couverture de page magazine. Reviens. Tes boucles d'oreilles, oui. Enlève vite tes boucles d'oreilles. C'est comme ça que vous baladez partout pour voler les hommes d'autrui.
Je t'étranglerai si tu oses. Cette robe, je n'aime pas ce genre de tenue. Ça te dessine, ça montre toutes tes parties. Faut plus la mettre. Je suis désolée, sors madame. Sors de ma vue et ne prends pas plus de 10 minutes pour me faire cette nourriture. Ok, madame. Voyez-moi cette stupide, pauvre et sale chose. Anna, Cho! Viens me brûler ces choses. Marie! Oui, madame. S'il te plaît, apporte-moi à manger, j'ai faim. Marie! Madame, je suis là. Fais vite. Désolée, madame. Donne-moi cette table. D'accord, madame. Marie, viens vite ici. Viens vite. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la pâte est-elle trop salée? Non, madame, je n'ai pas mis beaucoup de sel. Donc, indirectement, tu me traites de menteuse. Je suis désolée, madame. Je l'avais bien goûté. Oh, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, dis-moi? Je suis désolée, madame. N'essaie surtout pas ton cul, parce que quand je vais t'attraper... Quand je t'attraperai, tu as goûté à ma nourriture, c'est ça? Non, madame, non, madame, 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 s'il vous plaît, madame, idiote. Madame, s'il vous plaît, quitte non, la madame, non, lève-toi, non, désolé, debout, madame, debout, mets-toi madame, debout, désolé, allez, vous plaît, vite, madame, à genoux, mets-toi à genoux, avance, avance, ne me stresse pas parce que je n'en ai pas envie, madame. Avance, je te dis, madame, à genoux, mets-toi à genoux, désolé. À genoux, lève le main, allez, ouvre la bouche, ouvre ta bouche, ok, allez, lève le main, je ne veux pas entendre ta voix. Sale chose. N'importe quoi. Je ne veux pas entendre ta voix. Mon chéri. Mon chéri, tu es revenu. Bienvenue. Veux-tu un peu de patate? Et pourquoi est-elle à genoux? Ah ah. Pourquoi est-ce que tu me questionnes? Parce que je punis la bonne? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ce que je demande. Tu n'as pas besoin de savoir ce que cette pauvre chose puante et sale a fait. Marie, lève-toi de là. Écoute, Ifagne. Ifagne, respecte-toi. Marie, ose. Ose! J'ai pas compris. Marie, je dis lève-toi de là! Lève-toi et va dans ta chambre. Lève-toi. Ah, ah. Tu n'es pas seulement paresseuse, mais aussi méchante et insensible. Qu'est-ce que tu viens de faire? Écoute, monsieur, que ce soit la première et la dernière fois que tu remettes en cause mon autorité devant cette chose stupide et puante, n'essaie plus jamais de le faire. Parce que si tu oses, tu ne seras pas ravi de ce que je te verrai. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème? Donc tu commences à sortir avec cette fille? Ah, prostituée. Tu ne me laisses pas d'autre option que celle de couper cette chose et la manger avec la sauce pimentée. Et non, essoncée. Regarde toi-même. Une truie paresseuse. C'est ce que tu es. Marie, apporte-moi de l'eau. Laisse-moi me régaler avec mes une patates. Une truie, c'est ce que tu es. Marie! Oui, madame. De l'eau. Espèce de folle. C'est quand même délicieux. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais cette stupide fille doit quitter cette maison aujourd'hui. Elle ne restera pas un jour de plus dans cette maison. Aujourd'hui, c'est la dernière. Je dis que Marie ne va nulle part. Et moi, je dis que la petite souris que tu avais ramenée dans cette maison doit partir. Et rien ne me fera changer d'avis. Oui? Gina, laisse-moi te poser une question. Quel gérant de démon a pris possession de toi?
Pourquoi vois-tu toujours le mal en tout le monde? Pourtant, tu as refusé de reconnaître la force du démon qui vit en toi, Gina. Ifan, c'est toi qui es habité par un démon et pas moi. Tu peux prendre cette chose comme bon te semble. Mais le fait est que cette fille, Marie, doit quitter ma maison. Elle n'est pas ma co-épouse, mais ma bonne, donc j'ai le droit de décider sur elle quand je le veux. Maintenant, je veux qu'elle parte. Te fais fausse route. Laisse-moi te rappeler que je suis l'homme dans cette maison et tu ne décides pas à ma place. Je dois te rappeler aussi que je suis la femme de cette maison, donc tu n'as pas le droit de me traiter comme si j'étais une chose. Ok, faisons-le comme ça. Si Marie doit partir, alors tu dois faire tous les travaux qu'elle fait dans cette maison. Tu dois laver, cuisiner, nettoyer et aller au marché toi-même. Tu deviens fou parce que j'ai demandé à ta pétasse de partir. Je ne ferai pas une telle chose. Malgré tout ce que tu dis, elle doit partir. Elle éprouve ma patience. Gina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi ce comportement? Où est-ce que tu as appris tout ça? Sûrement ce n'est pas de moi. Parce que je suis celle qu'une bonne mère peut être pour ses enfants. Belle-mère, c'est ça ce que je vois chaque jour. J'ai été réduit à néant dans ma propre maison et j'en endure ça fait longtemps. Je ne crois pas que c'est toi qui fais tout ça. Cet homme ici est un bon homme et il a une façon correcte. Je me demande comment est-ce que tu joues avec ce que Dieu t'a donné de très précieux. Maman, je n'arrive pas à croire que tu as quitté ta maison jusqu'ici pour me raconter ces bêtises. Gina, pour une fois dans ta vie, corrige-toi. Que la paix retourne dans cette maison. Les hommes qui veulent la paix achètent des voitures pour leurs femmes chaque semaine. Oh, je vois. Gina, je prie juste que je ne sois pas emportée par ta stupidité avec cet esprit bénévole qui t'anime. Je prie que ça ne se fasse pas. En ce moment, je n'ai pas besoin de tous ces conseils. Je dois aller au spa. Tu sais, j'ai besoin d'aller me faire hydrater la peau, me chouchouter un peu et me sentir bien. Il faut qu'on me fasse la pellicure, le soin de visage et un peu de massage. Je dois partir, désolée. Ce que tu as vu n'est que la partie immergée de l'iceberg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Hey! Arrête! Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Bon après-midi, madame. Vous êtes très jolie. La ferme, c'est quoi ton nom? Mon nom est Rita et je suis ici... Elle est la nouvelle domestique. Rita, monsieur? Continue ton nettoyage. D'accord. Arrête-toi. As-tu discuté de ça avec qui? Dois-je le discuter avec toi avant d'amener quelqu'un pour faire ce que tu as refusé de faire? Parce que je suis ta femme. Nous devons avoir une discussion proprement dite avant que tu ne prennes n'importe quelle décision. Oh. Plus jamais. Alors elle ne restera pas. Elle doit partir. Elle ne va nulle part. Je dis qu'elle doit partir. C'est ma maison ici. Rita ne va aller nulle part. Dégage. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai demandé de partir. Dégage. Laisse-la, Gina. Es-tu malade? Es-tu stupide? As-tu perdu la tête? Quelque chose ne va pas chez toi? Tu es stupide. Quel est ton problème, Gina? Quel est ton problème? Violence conjugale. Ivan, je fais mal. Tu me fais mal. Pour qui me prends-tu au juste? Violence conjugale. Imbécile, n'importe quoi. Je vais te tuer, n'importe quoi. Ivan!
Je ne vais plus te laisser faire. Va continuer ton nettoyage quelque part. Ok, monsieur. Ne laissez plus la prochaine fois. N'importe quoi. Gina, dois-je croire réellement à ce que tu me dis? Tu veux dire qu'Ifania a levé sa main sur toi à cause de cette bonne? Prisca, est-ce que je t'ai jamais menti? Ma chère, mon mari m'a frappée sérieusement et en présence de cette petite sorcière. Peux-tu imaginer? Quoi? Oui. Non. Non, ce n'est pas possible. Non, 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 pas du tout. En fait, certainement Yangui sous roche. Que veux-tu dire par là? Mais qu'est-ce que tu veux encore savoir? Si Fanny peut oser arriver jusqu'à ce point, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui le manipule. Il doit être sous un charme. Hein? Oui, non? Ma chère, je suis vraiment confuse. Je ne sais plus en qui croire. Gina, ouvre tes yeux avant que les choses ne deviennent pires. Ouvre tes yeux avant que ça ne devienne tard, Gina. Mais Prisca, ne penses-tu pas que je dois changer de comportement et essayer de devenir une bonne femme? Non. Toi? Ma sœur, tu es parfaite. Tu es une bonne femme, qu'est-ce que tu fais de mal? Rien. Tu ne fais que protéger ce qui est à toi, ce qui est normal pour toute femme. Écoute, moi je ne saurais pas supporter ce que tu endures. Mon mari le sait. Donc jamais. Je suis une bonne femme. Toi? Hein, tu dis? Tu es une femme parfaite. Il a de la chance. Parce que moi, ta place, il me connaît bien. Moi, ta place, tout sera en feu. Je partirai de la maison sans stress. Je le laisserai. T'occupe pas de lui. T'es une bonne femme. J'aurais souhaité avoir ta nature. T'es un ange. Je ne saurais pas le supporter. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Voyons, Ifani, pour une fois, tu agis en tant qu'un homme. Arrête sincèrement de t'en faire, mon gars. Anthony, tu n'as pas compris. J'ai déconné. J'ai vraiment déconné. J'ai fait ce que j'ai juré ne jamais faire dans cette vie. Écoute, je déteste les hommes qui lèvent la main sur leur femme, mais maintenant je me retrouve dans leur catégorie. Et crois-moi, ceci n'est pas ta faute. Je veux dire, tu as été un très bon homme pour elle jusque-là. Elle n'a pas arrêté de te pousser à bout. Voyons, elle a eu ce qu'elle méritait, c'est tout. Écoute, j'aurais dû me maîtriser. J'aurais dû être en charge de mes émotions, hein. Oh Dieu. Mais c'est arrivé quand même. Je pense qu'à présent, elle a bien pu apprendre de ses leçons. Alors, fais pas cette tête, mec. Oh Dieu. Où est cette stupide fille? Rita! Rita! Oui, madame! Viens. Madame, vous m'avez appelée. J'aimerais savoir tout te concernant. Tu es d'où? Qui sont tes parents? Donc tout. Madame, il n'y a rien de grave à propos de moi. Oh. Mes parents étaient morts. Lorsque j'étais en première à l'université. Et à cause de cela, je devais arrêter les études. Et depuis lors, je fais différents travaux pour survivre. Et je suis l'unique enfant de mes défunts parents. Ah, c'est vraiment pathétique. Oh, différents types de travail, tu veux parler de différents types de prostitution. Et tu crois que tu peux ramener ça dans ma maison? Écoute-moi, ça ne va pas du tout marcher chez moi. Ah! Madame, non! Madame, j'ai jamais fait ce genre de travail dans ma vie. Ne vous inquiétez pas, moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ce genre... Tais-toi! Tu es un enfant de Dieu et moi un enfant de Lucifer. C'est ce que tu essaies d'insinuer? Non. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu vois ces habits que tu as portés? Attends, pourquoi tu as appliqué le brillant à lèvres? Pourquoi? Je le disais, différents sortes de prostitution allaient approcher. Viens! Approche! Approche! Ne me stresse pas. Je n'aime pas le stress. Approche
Je dis à proche. Madame. N'essaie plus jamais d'appliquer ça sur ton visage. Tu n'es pas venue ici pour un défilé de mode. Tu es une bonne. Et une bonne est à peu près comme une esclave. Ok? Insensé. À propos, ce que tu portes ne me plaît pas. Voilà pourquoi je t'ai apporté ceci. Je ne veux plus que tu mettes ces genres de tenues. Elles sont très belles. Mais... tais-toi. Il n'y a rien de mal avec cette tenue. Donc, essaies-tu de dire que tu ne comprends pas ce que je dis? Non, madame. Essaies-tu de dire que je ne suis pas intelligente? Non, madame. Fais-tu des termes et m'écouter? Ok. Tu travailles pour moi et pas pour une autre personne. Oui, madame. Ok, ça c'est ce que je veux que tu commences à porter. Écoute-moi bien. Tu portes ça aujourd'hui, tu laves ça demain. Tu portes l'autre demain, tu laves ça le lendemain. C'est comme ça que tu vas commencer à faire. Tu vas commencer à changer de tenue. Je ne veux pas que tu mettes quelque chose d'autre. Pas plus, pas moins. Je me suis fait comprendre. Mais madame, il n'y a rien de mal avec ma tenue. Ferme ta bouche. Disparais de ma vue. Reviens ici. Ah, ça se voit que tu n'as pas reçu d'éducation. Tu es réellement une prostituée. Si tu étais instruite et que tu avais des bonnes manières, tu allais quand même dire « Merci, madame. Sais-tu combien j'avais acheté ces robes? Elles coûtent cher. 2000 lira, je suis sûre que tes parents n'ont pas touché cette somme jusqu'à leur mort. Allez, vas-y. Merci, madame. Restons, dégage. Que Dieu vous bénisse. Disparais vite. Voyez-moi cette prostituée sans éducation. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ma tenue? Ici, c'est pas ta maison. Rita. Rita. Monsieur. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Ok, monsieur. Bébé, tu as soif? Oh, chérie. Allez, comment tu vas? Dis-moi. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Oh, tu essaies donc de faire ta scène de prostitution? Tu crois que je ne le sais pas? Tu me crois idiote? Tu crois que je ne suis pas assez intelligente? Tu comprends? Arrête, quel est ton problème? Arrête de me demander ça. Si tu es aveugle, je ne le suis pas. Tu crois que je n'avais pas vu? Elle était là avec la bouteille en train de secouer ses seins pour t'exciter. Comment? Tu n'avais pas vu comment elle bougeait ses seins? Comment est-elle en train de me séduire? Elle bougeait ses seins. Elle essayait de te servir comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi, c'est quoi? Gina, tu es anormal. Va-t'en. Ah, quel est ce genre de femme? Quel est ce genre de femme? Donc tu n'avais pas vu la manière dont elle t'est servie? Regarde, c'est comme ça qu'on sert de l'eau. Calmement, doucement. Mais elle sait quoi? Gina, quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme? Gina, laisse-moi tranquille, je vais avoir la paix. Donc tu veux que je la laisse te ravir de moi? Pas question. Elle ne peut pas débarquer de nulle part et venir te voler. Allez, prends, bois. Merci. Gina, c'est incroyable. Après tout ce par quoi tu es passé dans cette maison, tu permets à cet homme d'amener encore une autre bonne. Prisca, que veux-tu que je fasse? J'ai fait tout ce qui est humainement possible et mon mari refuse de changer d'avis. Je criais, je hurlais, je fais tout, ma chère, tout. Oui. Tu dis que tu as tout fait? Es-tu sûre d'avoir tout fait? Écoute, il la défend parce qu'ils ont quelque chose en commun. Oui. Ne sois pas surprise d'entendre un jour qu'ils te disent que ta bonne devient ta coépouse. Que Dieu me pardonne. Presque cette chose ne se fera jamais. Si jamais ça se fait, je vais la tuer. D'ailleurs, je la tuerai avant qu'elle ne le fasse. Dieu ne t'en épargnera que si tu fais l'essentiel. Mets cette fille hors de ta maison. Agis maintenant. Prisca. Je suis confuse. Que dois-je faire maintenant? Ah! Comment peux-tu être confuse, mon ami? Comment peux-tu être confuse à ce point? Hein? Mon ami, mets cette fille hors de ta maison si ton mari insiste. Fais tes bagages, sors de sa maison calmement. C'est de cette façon qu'il comprendra. Tu ne peux continuer comme ça. Non, assez. Assez. Ah. Non, franchement, ça devient de trop. Prisca, tu as raison. Ah, j'ai toujours eu raison, mon ami. J'ai toujours eu raison. Ah.
Tu ne peux plus rester dans cette situation. Non. Non. Merci. Merci. Ifan, c'est à toi que je parle. Comment est-ce que tu peux me tourner les dos? Écoute, écoute, écoute. Si tu veux la paix dans cette maison, cette fille doit partir. Rita doit quitter cette maison aujourd'hui. J'ai pas compris. Une marmite qui taxe de noir une bouilloire. Une femme paresseuse insultant une fille laborieuse. Ta chère prostituée doit quitter cette maison aujourd'hui. Elle doit partir. Et rien ne me fera changer d'avis. J'ai dit qu'elle ne va nulle part. J'ai dit elle doit partir. Oh, tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je serais aussi naïve pour reconnaître que tu avais ramené ta prostituée à la maison sous prétexte des bonnes? Je ne suis pas surpris. Gina, tu es devenue malade. Tu as complètement perdu la raison, Gina. Vraiment? Ifan, tu es un chèvre. Tu es un fou. Tu es stupide. Tu es insensé. Tu oses utiliser ces trous à rats que tu appelles bouche pour me traiter de folle? Pas de problème. Je vais te montrer comment se comportent les fous. Cette fille doit quitter la maison aujourd'hui, sinon je vais tout tu détruire. Tu ne peux rien détruire, c'est ma maison ici et je décide qui et y reste. Et c'est aussi ma maison, je ne blague pas. Et j'ai le droit de décider qui va y rester. J'ai payé pour tout ce qui est dans cette maison, j'ai payé pour tout. Et alors quoi? Gina, t'en mâche, Gina. Et après quoi? Et après quoi, Ifan? Alors qu'est-ce que ça fait si tu achètes tout dans la maison? Oh, mais voyez-moi ce gros bébé, t'inquiète, je vais m'occuper de toi de chouchouter comme les gamins que tu es. Mais cette fille doit quitter la maison aujourd'hui. Bêtise! Rita! Ne me tente pas! Ne me tente pas, Gina! Rita! Gina! Mais allez, Rita. Christa, je t'ai bien dit d'arrêter de pleurer. Nous n'avons qu'à supporter tout ça parce qu'on n'a même pas le choix. Comment? Tu n'as même pas où tu peux aller, alors il faut juste la supporter. Pendant combien de temps? Dis-moi. Pendant combien de temps dois-je continuer à vivre ainsi? À tout moment, elle me frappe, elle me maltraite. C'est bon, c'est bon, Rita, calme-toi. Je ne t'aurai plus supportée. Bravo. Donc mon mari ne te suffit pas. Donc ton plan était de venir dans ma maison, coucher avec mon mari et aussi avec le portier. Non, madame. Tais-toi. Est-ce que cette cuisine par hasard ressemble à un lieu de rendez-vous pour vous? Madame. Mais, madame, c'est n'importe ce que vous pensez. Que... On était juste... Taisez-vous, taisez-vous. À genoux. Madame, à genoux. Non, madame. Toi aussi, à genoux. Alors, pourquoi vous embrassez et vous amourachez dans ma cuisine? Ah! Ah, on n'a pas fait ça, madame. Madame, non, c'est pas vrai, madame. Madame, pardon. Madame, non, madame, s'il vous plaît. Madame, désolé. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, madame. Patron, patron. Ça va, levez-vous. Levez-vous. Tu utilises la spatule sur les gens, les êtres humains? Ils sont de chèvres. Tu es en train de crier sans pour autant me demander qu'est-ce qui s'est passé. Si tu veux le savoir, je les ai attrapés en train de s'embrasser. Et alors si c'était mon fils Ken qui les avait vus? Imagine la suite. Et si c'était mon fils qui les avait vus? Est-ce que c'est bien? Bêtise. Je ne veux plus accepter des bêtises dans ma maison. Plus question. Bande des idiots. Hey! Ifani, est-ce que ça va? Ah. Quel est le problème avec toi? Es-tu malade? Anthony, ça aurait été mieux si j'étais malade. Ma femme est devenue complètement folle. Je sais très bien que rien ne va jamais avec elle. Mais est-ce bien pire que ça? Mon frère, la paix dans ma maison est morte. Je ne sais même pas ce qui se passe. Hey. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Si je te disais que je sais quelque chose à faire, je serais un grand menteur. Je suis si confus, mon frère.
Aïe. Madame, s'il vous plaît. Tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que tu vas? Tu vas bien. Lâche mon mari. Allez, lâche mon mari. Idiote, lâche mon mari. Elle doit partir. Maintenant, arrête avec tes larmes de crocodile. Arrête avec tes larmes de crocodile. Va dans ta chambre. Papa, lâche mon mari, idiote. Pourquoi maman fait ça? Mon mari. Allez, où est-ce que tu vas? Reviens. Viens prendre tes babouches. Viens prendre ça. Vite, stupide fille. Papa, Dieu merci, tu es ici. Oh, parce que maman était presque sur le point de tuer cette fille. Gina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème, Gina? Pourquoi transformes-tu cette fille en un sac de frappe? Qu'est-ce que... Ne cherche pas à ce que je commette un meurtre. Demande gentiment à ta chienne enragée, à ton rat des égouts, à ta psychopathe, à ta soi-disant bonne de quitter ma maison. Je ne veux plus tolérer ça. Ifani, je ne veux plus tolérer ce genre de bêtises. Elle doit partir. Personne ne tue personne et elle ne va nulle part. Tu veux tester ma patience? Je vais tuer cette fille et aller en prison. Je vais la tuer si je prends la légende que je suis en train de dire. C'est toi qui mets ma patience à l'épreuve, si tu ne le sais pas. Vraiment? Sérieux? Écoute, laisse-moi te dire. Ne crois pas que je ne suis pas au courant de ce que tu fais. Je le suis. Je sais bien ce que tu fais. Depuis le jour où tu l'avais ramenée dans notre maison, je savais qui elle était. Je savais très bien qu'elle était ta pétasse, ta prostituée. Assez, cette folie doit s'arrêter. Elle doit partir d'ici. Tout le temps, maîtresse, maîtresse, maîtresse. C'est clair comme si tu allais faire écrouler tout l'univers. Qu'y a-t-il, Gina? Demande-lui de prendre ses affaires et de s'en aller. Si tu cherches à savoir ce qui ne tourne pas chez moi, laisse-la passer encore une semaine dans cette maison. Je vais me rassurer de brûler cette maison. Tu ne feras pas ça. Dis à ton papa qu'il demande à cette fille de partir. Ose l'essayer. Maman, elle n'a rien fait du tout. Ose l'essayer. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, ton fils te dit la vérité. Oh, donc je vais devenir stupide comme ton père. La vérité tel amère. Tel père, tel fils. La vérité est amère. Tiens encore et moi et tu verras. Ce n'est pas vrai. Elle n'a rien fait du tout, c'est que ça qui cherchait des problèmes. Tu vois? Cours, c'est comme ça que tu vas les oreilles. Va à l'intérieur. Tel père, tel fils. Hey. Foutaise. Elle doit quitter ma maison. Gina. Elle doit partir d'ici. Gina. Elle doit s'en aller. Elle doit s'en aller. N'importe quoi. Vous testez ma patience dans cette maison. Rita, pourquoi tu pleures toujours? Ça va, non, arrête de pleurer. Qu'est-ce que je fais de mal à madame? Pourquoi est-ce qu'elle me déteste énormément? Il n'y a rien que je fais qui la rend heureuse. Et pourtant, j'ai toujours été respectueuse à son égard. Elle me traite toujours méchamment. Désolée, désolée. Je suis désolée pour tout. Arrête de pleurer. Ok? C'est toujours la souffrance. Si seulement mes parents étaient encore en vie. Si seulement ils étaient en vie. Je ne pouvais pas vivre cette non, tête. Non, 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 ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ça va aller. Ça va, je suis désolée pour tout ce que tu traverses dans cette maison. Je promets que je ne vais pas la laisser te battre. Je promets. Désolée, désolée. Désolée. Je ne lui ai rien fait. Oh, ça va, ça va. Hé! Hey! Je vous ai attrapé. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Est-ce que j'ai monté? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est comme ça. Tu es là en train de faire semblant de plaire à tes parents qui sont morts plus de 20 années passées. Juste pour que mon mari puisse te caresser et te toucher. C'est ça, n'est-ce pas? Tranquille, n'es-tu pas fatigué? Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Je ne veux pas laisser cette chienne voler mon mari. Es-tu fatigué de la toucher? Es-tu fatigué de la caresser? Dis-moi, es-tu fatigué?
Écoute, cette fille doit s'en aller. Oh, je le savais. Je vous ai attrapé. Tu étais là en train de la toucher et la caresser. Tu n'as pas honte de toi? Pourquoi es-tu comme un bouc? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je sais que tu es folle, mais est-ce que ta folie est allée au point où tu n'as plus de tranquillité dans ton esprit? Je sais que tu es un animal. J'ai toujours su que tu étais un menteur, un infidèle. Mais je ne savais pas que tu pouvais arriver jusqu'au point de ramener tes nombreuses maîtresses, tes pétasses à la maison, tant autre et toi conjugale, sous prétexte de bonne. C'est quoi cette histoire de petite amie et maîtresse, Gina? Ifani, elle doit partir d'ici, sinon je mettrai cette maison en feu. Je vais tout brûler. Que vas-tu faire? Oh, tu me demandes ce que je ferai. Tu veux savoir ce que je ferai? Oh Dieu! Tu ne peux pas faire chose pareille. Vraiment? Tu veux savoir ce que je ferai? Pas de problème. Si tu veux quitter cette maison, fais-moi passer. Bêtise. Hé, toi, Rita! Si tu touches la fille là encore? Pourquoi tu ne veux pas quitter ma maison? Pars de chez moi, va-t'en! Ne la touche pas, oh! Ne touche pas cette fille! Aucune femme n'aimerait vivre ça. Presque, j'en peux plus. Je dois quitter cette maison. Oui. Je ne saurais plus supporter ça. Presque, je suis fatiguée émotionnellement. J'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Mon ami, que vas-tu faire dans ce cas? J'ai l'intention de quitter cette maison. Oui. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois partir. Elle est dit aussi. Elle veut quitter son foyer. Cette femme, franchement, elle est folle. Elle est juste incroyable. Je dois partir. Je ne connais même pas le projet de cette fille. Je ne sais probablement pas ce qu'elle a derrière la tête. Je dois partir pour ma sécurité. Écoute, mon ami, aussi dur que cela peut paraître, sache que tu es sur la bonne voie. Fais-moi confiance. Aucune femme ne saura supporter ce que tu endures. Tu es forte pour vivre cette situation jusqu'ici. Moi, je ne saurais pas. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont si méchants. Comment ils ne peuvent pas être en mesure d'apprécier les dons de Dieu que tu es? T'es une bénédiction. Écoute, si je vivrais la même situation que toi, je ferais mes bagages tranquillement pour partir puisque je ne supporte pas de problèmes. Oui, tu sais sincèrement, ça me dérange. Ça me frustre comme pas possible. Je réalise ta peine. Sérieusement. Non, pas jusqu'à ce point. Je suis triste. Oh. Courage, mon ami. T'es forte. Qu'ai-je fait pour mériter une telle femme comme épouse? Ne suis-je pas gentil envers elle? Ne suis-je pas une bonne personne? Oh Dieu, Dieu, c'est quoi tout ceci? Pourquoi ne puis-je pas avoir la paix dans ma maison? Qui est là? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais vous supplier pour quelque chose. Vas-y, tu n'as pas besoin de pleurer avant de me supplier. Qu'y a-t-il? Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi partir. Laissez-moi m'en aller. C'est vraiment très clair que ma présence ne plaît pas à madame. Et je ne peux pas supporter que je sois la cause de tous ces troubles, de tout ce drame qui se passe dans cette maison. Tu ne comprends pas. Monsieur, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ta faute. Tu fais ton travail diligemment. Tu n'es la cause de quoi que ce soit. Ma femme est une fauteuse de troubles. Tu ne comprends pas. Tout ça, c'est de ma faute. C'est vraiment de ma faute. Je le sais. Laissez-moi partir. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous viviez en paix ici. Laissez-moi m'en aller. Je n'aurai toujours pas la paix. Si tu t'en vas, je recommencerai mes devoirs dans la cuisine. Je recommencerai à cuisiner, à laver les assiettes et les casseroles. Tu ne comprends pas. Ça, c'est de ma faute. Ça va. Ça va, allez, lève-toi. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. S'il vous plaît, laissez-moi mon année. Lève-toi.
Je vous en prie, monsieur. Ça va aller, ça va. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ça va. Ça va aller. Ok. Il était tombé. Il était tombé, alors pourquoi ne s'était-il pas relevé? En réalité... Nacho. Oui, monsieur. Où est-ce que tu vas avec cette valise? Je l'amène là-bas pour madame. Pourquoi? Je te disais quelque chose. Tu vois, Je m'en vais. Mais pourquoi, maman? Tu t'en vas? Oui, mon chéri. Mais maman, pourquoi? Écoute, mon garçon. Je dois laisser à ton prostitué de père le temps de s'amuser et se réjouir avec sa prostituée, sa pétasse, sa Mais... bonne. Mon chéri, ton père ne connaît pas ma valeur. Ok? Bébé, cet animal assis derrière toi ne me mérite pas. Ta maman est une reine. Mais et moi alors, maman? T'inquiète pas, chérie. Je viendrai de temps à autre te rendre visite, ok? D'accord? Pas? Maman s'en va. Ne vas-tu pas lui demander d'arrêter? Que veux-tu que je dise? Si elle veut partir, la porte est ouverte. C'est un bouc. C'est comme ça que les animaux se comportent. Je ne veux pas que tu deviennes comme lui, chérie. Alors va dans ta chambre et sois heureux. N'oublie pas que maman t'aime beaucoup. Ok? Ok. Je Allez, t'aime aussi, va maman. Va dans ta chambre. Dans ta chambre, bébé. Allez. Va jouer, chérie. Maman t'aime beaucoup. Écoute, je viendrai te rendre visite demain. Tu D'accord. sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je t'aime, okay. maman. Dans ta chambre. Papa! Dans ta chambre et pas dans la cuisine. C'est par là. Ok, ça c'est mon garçon. Ifan, je m'en vais. Quand tu réaliseras enfin ma valeur, tu sauras où me trouver. Nacho! Gina, es-tu malade? Est-ce que ta tête fonctionne bien? Pourquoi tu as fait sortir tes effets de la maison de ton mari? Maman, je crois que c'est clair que ta fille a perdu la tête. Elle est totalement folle, maman. C'est le comble. Ton mari ne t'a même pas demandé de partir et pourtant tu as fait tes valises pour quitter le domicile conjugal. Mais qui a déjà fait ça? En fait, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas rester avec un infidèle. Je ne peux pas rester avec un menteur. Mon mari me trompe avec une autre et cela blesse mon cœur. Je ne suis quand même pas une poubelle pour tout accepter. Il me trompe, j'accepte. L'infidélité, j'accepte. Il y a une limite à tout. Je suis une femme et je mérite le bonheur. C'est pour ça que tu as abandonné ton fils? C'est quelle femme qui a déjà abandonné son enfant et elle trouve ça normal? Qui est donc cette femme? C'est seulement une femme irresponsable. Tu peux faire ce que tu viens de faire. Oh Dieu, tourne le dos au ciel, honteux pour toi. Tu viens de déshonorer Dieu et l'humanité. Dieu a de la peine et ressent la honte à cause de toi. Parce que tu es pauvre et stupide jusqu'à ton âge. N'est-ce pas que tu devais avoir des enfants et être chez toi en ce moment? Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps pour ça. J'étais venue ici pour me reposer. J'ai besoin de paix, ok? Je n'apprécie pas ce que vous faites. Mon mari me trompe. Et cela dans notre maison. Et notre lit conjugal. N'est-ce pas une abomination? Et vous êtes en train de raconter du n'importe quoi. S'il vous plaît, j'ai besoin de paix. Gina. Maman, s'il te plaît, laisse-moi Gina. Tranquille. Gina, lorsque ce que tu construis sera gâté, tu sauras ce qui va t'arriver. Et ne pleure pas. Tu es averti. Ne pleure pas. Je le répète encore, ne pleure pas où je te dis. Ça va, maman, ça va. Elle mange même une pomme. Elle a encore cet appétit. De manger une pomme. Elle est déjà avertie. J'ai déjà tout parlé. Nous serons là pour Je regarder. Ne comprends pas ce qui arrive à cette fille. Pas du tout.
Oh, chérie. Bébé, tu vas bien? Oui. Bébé? Oui. Sais-tu que Gina a enfin emballé ses affaires et a quitté Ifani? Et elle a même abandonné son fils, Ikenna. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Quoi? Jésus-Christ! Quel est ce démon qui contrôle la vie de Gina? Hein? Quelle est cette femme qui peut faire ses bagages et sortir de la maison de son mari d'elle-même? Qui peut faire ça? Bébé, écoute. Je sais que ça peut vraiment être mauvais. Je crois que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à Ifan. Qu'il connaisse enfin la paix mentale pour une fois. Ce n'est pas comme ça que le mariage marche. Regarde-nous. Nous avons la paix. C'est parce que nous avons confiance l'un à l'autre. Tu m'aimes, je t'aime. Nous n'avons jamais eu une tierce personne pour venir traiter nos différends. Nous nous gérons nous-mêmes. Personne ne vient nous donner des injections. C'est ce qui solidifie notre amour. Exactement. Oui, c'est ça. Ah. Gina n'est rien d'autre à part une grosse folle. Tu as dit folle. Je te dis ce qui est vrai. Non. Gina, sa folie a la dimension d'une parcelle. Gina a une folie extrême. Franchement, je ne comprends vraiment pas cette fille. Mais quel genre de femme est-elle exactement? Et tu dis qu'elle est ton amie? Non, chérie. Elle a été mon amie. À son temps, quand elle pouvait réfléchir. Maintenant, elle n'est pas mon amie. Non, elle ne peut être mon amie. Nous nous saluons juste, tu sais, par gentillesse. Non. Nous nous sommes remis après beaucoup de temps. Il est vrai qu'avant on était amis, mais pas pour l'instant. Non, je ne peux pas avoir une amie comme elle. Rita, qu'y a-t-il encore? Pourquoi tu pleures? Je ne me sens pas du tout bien. Je me sens une personne très terrible. Oh gars, c'est de ma faute. C'est à cause de moi que madame est partie. C'était pas à cause de toi, Rita. Tu ne l'as cause de quoi que ce soit. J'ai épousé un couteau et non une femme. Elle avait rendu cette maison infernale pour moi. Et maintenant qu'elle est partie, je peux avoir la paix. Non, c'est de ma faute. Je me blâme pour tout ce qui s'est passé. Si je n'étais pas venue dans cette maison, tout ceci n'allait pas arriver. Non, écoute Rita, écoute. Tu ne connais rien de ce que je traversais dans cette maison. Ne te reproche de quoi que ce soit. Elle a eu ce qu'elle mérite. Non. C'est de ma faute. Si je n'étais pas venue dans cette maison. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne. Arrête de pleurer. Cesse de pleurer. D'accord? Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Ça va. Non, je suis une mauvaise personne. Je ne mérite pas. Tu n'es pas une mauvaise personne, Rita. Even when I treat you bad, I treat you bad, babe. Now you be number one, babe. The bosom of my heart can tell you. The bosom of my heart can tell you how I love you, babe. The windows in my heart can say it. The windows in my heart can say that I love you, baby. I'm wrong and I am. I'm wrong and I am. I'm wrong and I am.
Can't you see that I'm trying to be the one for you, baby? Can't you see that I'm the one? Can't you see that I love you? Deep inside, girl, I love you. Girl, just let me be the one. The bosom of my head can tear it. The bosom of my heart can tell how I love you, babe. The windows in my heart can say, the windows in my heart can say that I love you, baby. I'm wrong and I am. Oh, oh, oh. I'm wrong and I am. Honestly, I am baffled. Tu veux me dire que Ifani n'est jamais venue ici te rendre visite? Est-ce que je ne t'ai jamais dit à maintes reprises que mon mari Ifani est très méchant? Il est terrible. Il n'est pas venu, il n'a pas appelé, il n'a pas bipé, même pas un petit message. Oui, ah. Ça c'est les genres d'hommes avec qui je me suis mariée. Comment un homme peut préférer sa bonne à la place de sa femme? Qui fait ça? Tu veux parler de celui-là? Mon mari est un véritable vaurien. C'est pour ça que je suis revenue pour le laisser tranquillement se réjouir avec sa nouvelle petite amie. Ah. Non, wow. Tu sais, la plupart d'hommes sont très compliqués, mon ami. Mais, t'es chanceuse. Dieu t'a béni avec un bon mari. Ma chère, mon mari est un véritable idiot. Je ne repartirai pas dans cette maison sans qu'il ne vienne jusqu'ici s'agenouiller et me demander pardon comme il se doit. Imaginez cette folle. Elle s'attend à ce que son mari vienne jusqu'ici lui demander pardon en s'agenouillant. Tu comprends, moi, de quoi je parle? C'est ça à quoi je pense. Reste chez maman. Il doit venir jusqu'ici te demander pardon. Pas seulement me supplier. Il doit venir jusqu'ici s'agenouiller pour demander mon pardon. Je te soutiens. Pas seulement me supplier. Il doit acheter une nouvelle voiture. Tu as mon soutien. Je le mérite. C'est pour ça que je t'aime. Tu as totalement raison. Oui. Pour se faire pardonner. Oui. N'est-ce pas que je l'ai attrapé de mes propres yeux? T'as raison. Je sais qu'il me trompe. Hey. Il est très malin. Bienvenue, belle-mère. Merci énormément. Je crois que tu sais pourquoi est-ce que je suis ici. Je n'ai pas beaucoup de temps ici. Je n'ai fait aucun tort à ta fille. Je lui ai été le meilleur mari. Pourtant, elle a décidé de rendre ma vie misérable. Je sais ce que tu vis. Je comprends très bien. Mais je suis ici comme une mère qui cherche la paix. S'il te plaît, Ifagne. Je te supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse Gina revenir. Belle-mère, laisse-moi te poser une question. Est-ce que Gina t'a dit que je lui ai demandé de quitter ma maison? Non! Elle n'a pas dit telle chose. Elle m'avait dit qu'elle avait quitté elle-même. Alors, j'étais juste choquée. Voilà pourquoi je suis Bien. Venue. Je n'ai jamais demandé à Gina de quitter ma maison, mais elle a quitté. Donc, quand elle veut revenir à la maison, elle est libre. Mais ce sera sur des conditions. Laquelle? Bien. Elle doit se repentir de ses mauvais caractères. Et elle m'assurera par écrit que jamais ça ne se répétera plus dans cette maison. Juste ça. Je m'attendais à une condition très étrange. Tu n'as toujours pas changé en cet homme parfait que tu es. Je t'avais donné ma fille. Merci énormément.
Que Dieu te bénisse. Je veux me rassurer que cette condition soit vraiment bien respectée. Dès que j'obtiens son assurance par écrit, elle peut revenir. Il n'y a pas de problème. Ah, je lui dirai. Merci. Ifani est un homme bon. Il n'a rien contre toi. Il a donné une condition très simple pour toi. Laquelle? Que tu te repentes de tous tes péchés et que tu dises que tu ne vas plus revenir à tes bêtises. Et qu'est-ce qui est amusant dans ce que maman vient de dire là? Ton état financier. Oh, ok. J'aurais d'ailleurs souhaité qu'il puisse endurcir son cœur et t'oublier. Ce monsieur est tellement bon qu'il ne te mérite même pas. Même la pauvreté ne te mérite pas. Maman, premièrement, je ne t'ai jamais demandé, je dis bien jamais demandé de te rendre chez Fanny. Je ne t'ai jamais demandé de les supplier pour qu'ils puissent me reprendre. D'ailleurs, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien vous tous, avant que vous ne commenciez à boyer comme des chiens enragés. Je ne repartirai pas dans cette maison. Il doit venir jusqu'ici s'agenouiller pour me demander pardon. Oui, c'est lui qui m'a fait du mal, c'est lui qui m'a trompé. Il ne peut pas me tromper et que c'est moi qui demande pardon. Ou écrire une lettre qui va demander peut-être plus tard d'aller la déposer à la BBC. Gina, qui joue cette musique pour toi? Qui joue exactement cette musique pour toi? Écoute, laisse-moi te dire. Chaque enfant qui refuse les conseil de ses aînés sera définitivement détruit. Maman, oublie le proverbe et les adages. Moi aussi, j'ai donné ma condition. S'il est d'accord. Gina, ne néglige pas cette opportunité. Moi, je te parlais comme ton frère aîné. C'est ça mon conseil. Un pauvre ne donne pas de conseil aux riches. Si tu avais un peu de gigot, tu allais le savoir. Je ne te blâme pas. Je peux être pauvre, mais mon conseil est très riche. Oh, garde-le s'il te plaît. Vous deux parlez à votre sœur. Dites-lui quelque chose. Maman, nous ne pouvons pas faire mieux que donnez-lui ça. Donnez-lui des conseils. De notre mieux. La dernière fois où j'ai essayé de lui donner un conseil devant toi, elle m'a giflé. Comme tu nous as surpris par ta visite, pouvons-nous chercher quelque chose à boire? Ne vous dérangez pas. Je suis là pour un problème très important et je veux le résoudre. Qu'est-ce que c'est? Je veux que la dot que j'ai payée pour Gina me soit restituée. Hey. Ah, enfin. C'est exactement la paire que j'avais. Je priais que ceci n'arrive pas. C'est arrivé jusqu'à ce point? Je dois avancer dans ma vie. Je ne peux pas être attaché par une femme qui est si impitoyable et insensible au point d'abandonner son foyer et son enfant unique. Ça fait déjà 3 mois. Ça, c'est la mauvaise période de ma vie. Il n'y a-t-il pas un autre moyen dont nous pouvons essayer de vous réconcilier? Maman, s'il te plaît, arrête ça. Avec tout le respect que je te dois, arrête ça. S'il y a un moyen pour réconcilier qui est qui, qu'est-ce que tu essaies de faire? Non, dis-moi. Ifani, c'est à Ifani que tu es en train de parler. Tu essaies de le supplier pour voir s'il va accepter de me répondre dans sa maison. Non, je ne vais pas souscrire à cette offre. Et quant à toi, Ifani, tu me fais marrer. Dans ces millénaires, au 21e siècle, tu ne savais pas que tu étais aussi naïf. Tu as fait tous ces voyages, tous ces trajets pour venir réclamer l'argent que tu avais payé pour la dot. Si tu étais intelligent, tu allais appeler et passer ton numéro de compte pour recevoir le transfert. Ah, mais tu ne l'es pas. Alors, combien est-ce que tu avais dépensé? C'est encore combien? 500? 1000? Ok. 1000. Je serai très gentil avec toi. Je te donne 2000. Oh non, que j'ajoute. 3. Allez, prends. Même si je dois le prendre, ce n'est pas de toi. Même dans ta perdition, tu es toujours arrogante. Gina! Je comprends que tu en veux plus. Allez, prends ton argent. Ramasse-le, ok? Prends.
Excusez-moi. Hey. Regarde ta fille. Maintenant, je peux dire que je suis encore vivant. Tu ne sais même pas le genre de paix et de joie que j'ai maintenant. Je ne peux même pas commencer à les quantifier. Ifan, je suis très très content pour toi. Dieu merci pour ce nouvel air frais qu'il nous donne. Ouais, c'est bon d'épouser une bonne femme comme la tienne. Maintenant, je peux te dire catégoriquement que j'ai envoyé la femme que Dieu m'a envoyée. Gina n'était qu'un démon envoyé pour détruire ma vie. Laisse-moi juste te prévenir. N'essaie plus jamais de commettre cette erreur que tu as commise dans le passé. Plus jamais. Et malheureusement, mon mariage à moi est sur le point de finir aujourd'hui. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un foyer très paisible. Qu'y a-t-il? Ou bien c'est le fait que vous n'avez pas encore d'enfant? Mon cher frère, j'ai profité d'absolument chaque moment que j'ai eu à passer avec cette fille. Mais crois-moi, ne pas avoir d'enfant n'est vraiment pas le problème. J'étais en train de vivre avec le diable en personne. La même démon qui a participé à la destruction de ton foyer. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai d'ailleurs honte de pouvoir parler de tout ceci. Ma femme Prisca était celle qui était en train de pousser et de créer cette guerre qu'il y a eu dans ta maison. J'ai découvert qu'elle était celle qui était derrière tout ce que Gina a eu à faire chez toi. Wow, 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 wow. Ça brise le cœur et attriste. Oh. Mais écoute, elle n'a jamais mis du pistolet sur la tête de Gina. Gina n'est simplement qu'une idiote. Voilà le démon avec lequel j'ai vécu pendant tout ce temps. Prisca n'a pas cessé de jouer le jeu intelligemment, pensant que personne ne le découvrirait jamais. Évidemment, Dieu n'a pas voulu qu'elle garde ne serait-ce qu'un enfant dans son ventre. Hey. Wow, wow, wow. Ce monde est vraiment mystérieux. Ah. Chérie, de ma maison. Va-t'en chez moi. S'il te plaît. Bébé, bébé. Qu'est-ce que tu me fais? Non, non. Patrick! Hé, s'il te plaît! Patrick! Chérie, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je te fais de mal? Monsieur, mets-moi cette chienne dehors! Ne me chasse pas de ta maison, ne me chasse pas de ta maison! Je ne veux plus te voir ici! C'est l'amour de ma vie! Va-t'en, moi, je ne veux plus te voir ici! Arrête de me supplier! Assez! Laisse-moi t'expliquer! Assez, c'est assez! Laisse-moi te faire comprendre! Non, ne me fais pas dehors de ta maison! Je ne veux plus te voir ici! Va-t'en d'ici! S'il te plaît, mon amour! Va-t'en d'ici! Où est ta maison? Va-t'en chez moi! Ta maison, c'est dehors! Va-t'en chez moi! S'il te plaît! S'il te plaît, chérie! Chérie, tu me brutalises! Patrick, ouvre ce portail et mets-moi tout ceci dehors! Tu peux t'expliquer! S'il te plaît, pardonne-moi! Non! Non! Ce n'était pas intentionnel! Je ne veux pas l'avoir ici! Jette-moi tout ça dehors et reviens à l'intérieur! Arrête, ne ferme pas ce portail. Laisse. Arrête, ne ferme pas ce portail. Vas-y, laisse-le entrer. Non, chérie. Verrouille le portail. Madame. Chérie. Madame, on a dit que je dois fermer le portail. Patron. Chérie. Patron. Chérie. Sale idiote. J'ai pris, chérie, pardon. Pardonne-moi. N'importe quoi. Pardonne-moi. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Nacho,
Nacho, c'est ta patronne. Ouvre. Quelle madame? Non. Hein? Où vas-tu comme ça, hein? Hein? Ancienne patron, hein? Où vas-tu comme ça? Nacho. Hein? Pourquoi tu me pousses comme ça? Ok, Nacho, je suis venue voir mon mari et mon fils. Désolé, je ne peux pas te laisser entrer. Les patrons ne veulent pas que tu entres ici. Moi? Mais ça, c'est ma maison, non? Quelle maison? Madame, j'ai bien dit. Cette maison est à moi. Et je vais voir mon mari et mon fils. Il y a déjà une nouvelle patronne ici. Donc, tu ne peux pas... Oui, oui, madame. Qui se trouve là au portail? Oui, madame. C'est l'ancienne madame. Oh. Ma maman? Je t'en prie, laisse-la entrer maintenant. Mon fils. Hey, Ikena. Maman? Oh, mon fils. Maman, tu m'as manqué. Oh, tu me manques aussi. Ah, désolée. T'inquiète, je suis là maintenant. J'attendais que ton père vienne me demander pardon. Mais maintenant, je suis revenue. Ok, maman. Ok. Hey, je suis là. Que fais-tu ici? Hey, s'il te plaît. Mon chéri. S'il te plaît. Distanciation sociale. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rita. Mon mari. Je suis désolée. Je sais que je foirais. Tout ça est de ma faute. J'étais trompée. Je suis désolée. S'il te plaît, je t'en prie. Pour l'amour du ciel, pardonne-moi. Je promets d'être une bonne femme. Écoute. Je suis désolée. Je te promets de ne plus jamais le faire. S'il te plaît, écoute. Je ne sais pas si tu es venu ici pour jouer du film, mais sache que cet endroit n'est pas l'arène de Nollywood, s'il te plaît. Non, j'ai réalisé mes erreurs. S'il te plaît, j'ai promis de donner la paix. Je ne veux plus me disputer avec toi. Je ferai la cuisine pour toi. Je vais laver tes habits, repasser tes habits. D'ailleurs, j'irai trouver un travail pour t'aider avec de l'argent. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu es un homme bon. J'ai pas envie de te perdre à cause de ma stupidité et de mon orgueil. Je t'en Gina, prie. S'il te plaît. Ne m'énerve pas. Désolée. Mon mari, s'il te plaît, ne te laisse pas avoir par cette prostituée, s'il te plaît. Écoute, je savais que ton arrogance ne te laisserait pas, mais je veux que tu saches que je n'ai plus rien à faire avec toi. Comme tu le vois, je suis en paix avec mon bijou d'inestimable valeur. Et mon fils aussi est en paix avec elle. Donc quand tu auras fini le film, prends ton équipe et allez-vous-en. J'ai changé. S'il te plaît, j'ai réalisé mes erreurs. Je t'en prie, mon fils, parle à ton père. S'il te plaît, papa, chérie, pardonne-moi. Oublie cette prostituée, je t'en prie. Pourquoi tu pleures? Veux-tu t'en aller avec elle? Entre. Nacho. Oui, monsieur. S'il te plaît, tu sais que je n'ai jamais eu de problème avec toi. Jamais, maintenant, monsieur. Écoute attentivement. Chaque fois que tu vois un visage qui ressemble à celui-ci, proche de mon portail, jette-le. Oui, c'est compris, monsieur. Oui, monsieur. Hé, mon garçon, s'il te plaît. Rassure-toi de bien fermer le portail. Oui, madame, je le ferai. Oui, madame. Ancienne patronne, s'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas des problèmes, s'il te plaît, va-t'en. Tu veux que tu perdes mon travail? Ok, tu veux rester ici, n'est-ce pas? Ok, reste là. Reste là, des fois, passe cette porte. Je ne veux pas entendre un son. Reste là, quand tu te fatigues, tu pars. Qu'est-ce que je me suis fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je suis fait, mon Dieu? Qu'est-ce que je suis fait? Oh, mon Dieu! S'il te plaît, mon mari, je t'en prie, pardonne-moi! Nacha! Nacha! C'est ta madame, oh, c'est ta patronne! Il va ici, s'il te plaît. Ok, j'accepte. Je serai ta deuxième femme. Elle peut rester, mais juste vivons en paix. Je ne veux pas te perdre, s'il te plaît! Je suis désolée. Désolée, Ifaï. S'il te plaît, je t'aime. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, Ifaï. Nacha, ouvre la porte. Je suis désolée. Désolée. J'accepte. J'accepte d'être ta deuxième femme. Je l'accepte, pas de problème. Ça me va. Eh, hey, mon Dieu. Oh, Seigneur. Oh, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, pitié. Ne me rejette pas. Oh, mon Dieu. Je suis foutu. Hey, l'orgueil n'est pas bien. L'orgueil n'est pas bien. Et je me répands. Je donne ma
vie en Christ. Epiphanie, ouvre. Je donne ma vie en Christ. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.